Je vais rapidement vous énoncer. Donc, dans l'ordre de prise de parole, c'est notre doyen d'âge et père et préfacier qui prend la parole. Ensuite, excusez-moi, je vais sortir l'affichette qui est dans mon téléphone. J'avais oublié. Mais dans l'ordre, je pense qu'après, c'est Ida. Et après, voilà, après Ida, c'est le professeur Diop. Et enfin, Issa. Si Baye Omar Gueye, qui était prévu, vient, on lui donnera la parole. S'il n'est pas là, Issa va clôturer. Et on fera aussi un exercice de questions-réponses éventuellement, ou de témoignages, selon l'inspiration des uns et des autres. Voilà, donc papa, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher neveu. Et modérateur Amatidjan, je voudrais saluer les membres de ce panel, partager avec nous la présentation du livre du professeur Issa Aoun. Je me réjouis également de voir dans la salle beaucoup de visages qui me sont familiers, les cousins, des neveux, des nièces, des amis qui viennent partager avec nous le contenu de l'ouvrage du professeur Issa Aoun. Le professeur Issa Aoun aurait pu réserver cette séance de présentation à des spécialistes de cette question médicale. Il m'a donné le privilège d'écrire la préface de son livre et j'ai déjà abusé de sa bienveillance en commettant un texte dont je ne me suis rendu compte de la longueur qu'en ouvrant l'exemplaire qu'il m'a offert à la sortie du livre. Dans l'exercice de ce matin, je vais moins parler du contenu de la préface que des raisons qui m'ont poussé à prendre le risque de m'aventurer dans un domaine comme celui-ci. Une préface est un exercice d'engagement personnel. On peut y trouver par conséquent, en même temps qu'un effort sincère et enthousiaste d'explication, des interprétations discutables. Mais cet exercice comporte de nombreux motifs de satisfaction. Pour ma part, j'y ai d'abord trouvé un plaisir que je n'ai pas dissimulé, c'est de participer à la présentation, bien entendu, de ce livre et de collaborer à la présentation d'un universitaire, chercheur, praticien, à travers lequel je ne puis m'empêcher de voir mon cousin, son père, le regretté professeur Ibrahim Aoun. Physiquement, et sur le plan professionnel, il est à l'image de son père, diabétique et médecin comme lui, et comme lui, universitaire de haut niveau, ayant fait le choix de la santé plus qu'une spécialité. Autre motif de satisfaction, lire cet ouvrage portant sur une question aussi centrale en matière de politique de la santé, satisfait à la curiosité intellectuelle et permet également au lecteur d'accueillir de nombreuses informations concernées. Toute proportion gardée, le fait que je sois asthmatique a constitué un motif supplémentaire d'intérêt et d'attention pour les parallèles et autres comparaisons possibles entre certains aspects de ces deux maladies chroniques que sont le diabète et l'asthme. Vivre avec une maladie chronique, d'une part, réfléchir sur cette maladie, d'autre part, pour en faire un objet de connaissance, constitue deux expériences susceptibles de se compléter pour le plus grand bien de celui qui les vit et pour tout humain. Mais elles ne sont pas forcément liées.
ce sont deux moments différents qui n'ont pas le même statut. C'est à la lumière de ce distinguo que j'ai choisi l'entrée par laquelle j'ai abordé ce texte. Un choix très sage, à mon avis, parce qu'à ma portée. En effet, si je n'ai pas décliné l'offre de faire cette préface, c'est parce que, de longue date, les philosophes ont mis en exergue les deux faces caractéristiques de la médecine. La médecine est une science qui s'appuie sur les lois biologiques, mais la médecine est également une science humaine, par excellence. Comme d'autres sciences qui, nonobstant la technicité de leurs méthodes et de leur langage, n'en demeurent pas moins des sciences humaines. Par exemple, le droit. Et qui dit humain, dit à la fois vécu quotidien et valeur qui donne un sens à la vie. Et ce n'est pas pour rien que le professeur Issaouane a donné pour titre à son ouvrage « Le diabète et la vie ». L'interrogation des philosophes, par exemple, sur la nature du droit, son histoire, ses applications, est à la fois ancienne et permanente. Un exemple parmi d'autres, la reconnaissance des droits de l'homme est à la fois une question éthique universelle et une question qui implique l'élaboration de règles du droit positif pour en faire une réalité concrète. S'agissant de la biologie et de la médecine, il existe des penseurs hybrides, philosophes de la biologie et de la médecine, philosophes médecins ou médecins philosophes, qui ont produit des œuvres remarquées. À telle enseigne qu'à Paris, le Collège de France a créé une chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Nombre d'entre ces penseurs ont traité des questions d'éthique, comme l'expérimentation animale, la souffrance des animaux, et plus tard, l'autopsie appliquée aux humains, et de nos jours encore, la problématique de l'euthanasie, entre autres. De leur côté, des biologistes et des médecins se sont intéressés aux aspects philosophiques de la spécialité et des matières qu'ils étudient. Claude Bernard le fait dans des ouvrages, par exemple celui intitulé « Principes de médecine expérimentale ». François Jacob est l'auteur d'un livre dont le titre est assez parlant, intitulé « La logique du vivant ». Jacques Monod va plus loin. Son ouvrage intitulé « Le hasard et la nécessité » a pour sous-titre « Essai sur la philosophie naturelle de la biologie » et ainsi de suite. C'est en me réclamant de l'autorité de ses penseurs et de ses références que j'ai construit une préface et ma lecture de cet ouvrage de Issaouane. Dans l'œuvre de Georges Canguilhem, que je connais bien pour avoir suivi ses cours, philosophe et médecin qui a fait sa thèse de doctorat de médecine sur le concept de réflexe, j'ai trouvé les raisons de mettre en exergue la philosophie et les professions de foi humanistes qui irriguent l'ouvrage du professeur Issaouane, notamment la dernière partie. Deux concepts constituent les piliers de la philosophie de Canguilhem. Le premier a valeur d'axiome. Il écrit « Entre la santé et la maladie, il y a une différence de nature et non une différence de degré. » Cet axiome est fondamental, à la fois pour son œuvre à lui et pour comprendre le travail de Issaouane à propos du diabète. En guise d'illustration, dans un texte qui date de 1952, faisant œuvre d'épistémologie historique, il salue la volonté de Claude Bernard de donner à la biologie et à la médecine leur lettre de noblesse scientifique en prenant pour modèle les sciences de la nature déjà existantes. Mais il lui reproche son type d'explication exclusivement quantitative et physico-chimique appliquée à la santé et à la maladie. Type d'explication que Canguilhem pense trouver justement dans son étude du diabète. En vertu de son axiome selon lequel la maladie est d'une nature différente de celle de la santé, Canguilhem écrit, je le cite, « Le diabète n'est pas la maladie d'un organe, ce n'est pas une maladie du rein,
mais une maladie de l'organisme tout entier, une maladie de la femme, une maladie de l'homme. La fin de la citation. Le deuxième axiome qui constitue le pilier de la pensée de Kangilam, c'est celui d'autonormativité. L'ouvrage du professeur Issawon insiste sur l'importance de ce concept d'autonormativité. Kangilam et le professeur Issawon s'accordent sur un point qu'ils mettent en exergue, chacun à sa manière. Le diabète implique et entraîne une nouvelle allure de vie pour le patient. Une nouvelle allure de vie pour le patient. Ce qui veut dire qu'il peut vivre le plus normalement du monde, tout en le faisant avec une sorte de culture propre à son cas, physiquement, spirituellement et socialement. Adaptation, déterminisme et indéterminisme, profil diabétique, auto-soin et auto-normativité, question éminemment philosophique, se trouve en filigrane ou explicitement présentée dans l'ouvrage d'Issawon. La manière de comprendre leurs distinctions et leurs intrications, la nécessité de les prendre en charge dans la pratique, explique la place centrale que les rapports entre patients et médecins occupent dans ces mémoires d'Issawon. Pour terminer, voici deux remarques. Je voudrais d'une part souligner une pétition majeure à méditer que le professeur Issawon formule dans son travail. Je voudrais d'autre part m'interroger sur le destin de cet opus. La première remarque est relative à la valeur de l'éducation. L'auteur, le professeur Issawon, suggère une démocratisation de l'instruction, c'est-à-dire sa généralisation et son universalité, pour qu'une politique de santé soucieuse de placer le malade au centre de son action soit effective et efficiente. Je le cite, il dit « Tout diabétique doit avoir un minimum d'instruction pour l'auto-soin et l'auto-surveillance. » Point de citation. La deuxième remarque, on voudra bien me pardonner de l'avoir soulevé dans mon texte, la préface. Elle confirme bien ce que je disais de la nature de la préface, à savoir qu'elle engage celui qui l'écrit et qu'en l'occurrence, elle peut être le fait de quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, ce qui est souvent le cas des philosophes. Au cours de cet exercice périlleux, emporté sans doute par le brillant exposé des arguments de l'auteur, j'ai posé explicitement la question naïve suivante. Issawon, professeur de médecine et de santé publique, précise dans ses considérations préliminaires qu'il n'est pas diabétologue. Alors la question est la suivante. Ce mémoire est-il nécessaire et suffisant pour qu'il devienne diabétologue? Ou bien faut-il passer par un examen probatoire spécifique? Pour cette question, comme pour mes digressions philosophiques, je sais pouvoir compter sur votre indulgence. Merci beaucoup. Alors, lorsque le philosophe parle de médecine et notamment de diabète, ça nous rend, nous autres diabétiques, plus philosophes sur notre état. Beaucoup d'espoir à travers les propos de notre père Abdoulaye Eliman Kane, qui nous réconcilie avec la philosophie. Nous, dans notre tendre enfance, le philosophe était plutôt philodophe. Qui était toujours mal fagoté, cheveux hirsutes, un langage hermétique. Mais en écoutant les propos que tu viens de tenir, on a déjà une autre lueur sur ce livre de Issa. Donc, Ida, je vous donne la parole. Merci beaucoup. En réalité, je ne sais vraiment pas ce que je fais ici. Peut-être pour la caution féminine et le quota séraire. En tout cas, merci pour cet honneur de siéger parmi d'éminents
professeur de sommité, je voudrais vraiment reconnaître cet honneur que vous me faites d'être là dans cette présentation d'un livre que j'ai beaucoup apprécié lire. Mais avant de partager ma lecture de ce livre, je voudrais vous parler d'une anecdote. Quand j'ai rencontré professeur Issawen, je pense que c'était en 2019, lors d'un atelier régional sur les maladies non transmissibles, il a fait une intervention qui était très pertinente sur la prévention des maladies non transmissibles. Et je me suis dit, enfin un socio-anthropologue qui comprend vraiment comment les maladies non transmissibles doivent se prendre en charge. J'étais vraiment à mille lieues de penser que c'était un médecin. Et c'est, je pense, des années après que j'ai compris que c'était un médecin de santé publique, parce que j'ai toujours écouté avec cette attention d'une ouverture sur la compréhension des maladies non transmissibles de la santé publique, qui était au-delà de ce que je pouvais imaginer dans la médecine. Donc voilà, et c'est ce qui a déterminé ma grille de lecture de ce livre. Je l'ai lu en me disant que c'était un socio-anthropologue qui l'a écrit. Je suis socio-anthropologue de formation, donc c'est comme ça que j'ai lu ce livre. Je pense que au-delà du plaisir que j'ai eu à lire ce livre, j'y ai découvert beaucoup de concepts, théories, paradigmes, qui sont très humanistes et empreints de touche sociale. Je veux parler premièrement de l'acte alimentaire, qui est revenu très souvent dans ce livre. L'acte alimentaire, c'est... Il y a un écho. D'accord. OK. Donc, je disais, l'acte alimentaire, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé, qui est très transversal dans ce livre. L'acte alimentaire est chargé de sens, on le sait tous, et au-delà de la dimension physiologique de ce besoin d'être alimenté, il y a également les dimensions culturelles, sociales, économiques, et voire même identitaire. Et je pense que par ce prisme-là, on a une lecture très différenciée dans ce livre. Par exemple, l'auteur a très bien capturé cette dimension normative de l'alimentation et son lien avec le diabète. Une fois qu'on est diabétique, son alimentation, selon les recommandations du médecin, devrait changer, devrait être adaptée, normée. C'est ce qui est, en tout cas, donné lors, comme le disait tout à l'heure dans une discussion parallèle, le professeur Diop. On donne des recommandations, on fait le counseling pour donner les conseils aux patients. Mais ces recommandations sont très souvent très normées. Les patients sont invités à choisir leur alimentation selon des valeurs nutritives, scientifiques, qui respectent des normes. Mais cette conception occulte très souvent des dimensions sociales. Et c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes dans l'acceptation des traitements et des protocoles de soins. Cette contrainte fait partie des histoires de vie que l'auteur décrit. On voit l'exemple de plusieurs patients qui sont très partagés entre le respect scrupuleux des protocoles de soins qui leur sont adressés, mais également leur vie sociale, leur vie familiale.
Les patients sont partagés donc, je disais, entre ce respect des recommandations et un concept que j'aime bien dire, c'est l'auto-soin. L'auto-soin, c'est la capacité à donner de l'autonomie aux patients, qu'il puisse gérer sa maladie et revenir dans le système de santé quand cela est nécessaire. Avoir le bon jugement entre quand on peut gérer sa maladie et quand on doit retourner dans le système de santé et être suivi par un médecin, un prestataire de santé. Et cet aller-retour-là, il est important que des deux côtés, que ce soit le patient ou le soignant, puisse avoir une entente. Et c'est pour cela que je pense ce qui ressort très bien dans ce livre-là, c'est que finalement, la prise en charge du diabète, c'est un partenariat. Il parle d'éducation thérapeutique du patient. C'est un partenariat. Un partenariat qui doit être compris des deux côtés, que ce soit du patient comme du soignant. Et je pense que, en tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à voir que ce livre, en l'ayant ouvert, j'avais vraiment peur de qu'on me parle de, enfin, je vais dire, le côté scientifique très, très, très compliqué de la maladie. Et finalement, je découvre un livre qui est très, très différent de ce que j'attendais. Il a la capacité de nous parler de manière très accessible de la maladie. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est à saluer. Et je vois là le professeur de santé publique qui a l'habitude de transmettre un savoir. Mais on y apprend également beaucoup de parcours de vie. Finalement, je voudrais dire que ce que j'ai découvert en ce livre, c'est l'histoire d'une carrière en tant que patient. Une carrière de patient diabétique, finalement. Et ces différentes histoires qui ressortent de personnages qui ont été cités dans ce livre, c'est des carrières. Du moment où on découvre qu'on est diabétique, à l'annonce, ensuite de l'acceptation, du rejet. Donc dans cette carrière, on suit finalement plusieurs étapes jusqu'à l'acceptation et l'auto-prise en charge. L'auto-acceptation est de se dire, je dois vivre avec une maladie tout au long de ma vie. Et au final, devoir construire un savoir autour de ça. Et c'est le deuxième point que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre. Le second point, c'est vraiment la production de savoir. Et c'est un savoir qui est aussi bien scientifique que profane. Le savoir profane construit par les patients, qui passe par le partage d'expériences. On voit qu'il y a beaucoup de partage d'expériences. J'ai essayé tel remède. Cela devrait marcher pour vous, donc je le transmets. Donc cette transmission, elle est très remarquable, en tout cas pour les patients, mais dans la prise en charge du diabète. Le partage d'expériences et de connaissances, la médecine traditionnelle, et qui également ressort beaucoup dans ce livre, les traitements alternatifs. Donc c'est tout autant de partie de la vie d'un malade chronique, cet aller-retour entre ces différentes sphères de prise en charge sont pour moi tout ce qui représente la carrière d'un patient diabétique. La banalisation, ça fait partie également du parcours de soins. Et finalement, la peur de la mort, je dirais pas seulement de la mort physique, mais la mort sociale. Et je pense que c'est peut-être ce qui détermine le plus souvent le rejet de la maladie, la non-acceptation, que ce soit des protocoles de soins, et également ce qu'on devient dans la société. Un diabétique est toujours vu comme celui qui ne peut pas faire
en tout cas ne peut pas faire partie de la vie sociale telle qu'un, comme le serait une personne non diabétique. Donc c'est beaucoup de va-et-vient dans ce parcours d'un patient diabétique. Et au final, la troisième grille de lecture que j'ai eue de ce livre, c'est le professeur de santé publique qui fait un plaidoyer pour la prise en charge des maladies non transmissibles, mais également la prévention. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui le président de l'Alliance sénégalaise de lutte contre les maladies non transmissibles. Et en cette casquette-là, j'ai vraiment retrouvé le leader qui fait le plaidoyer pour que la prévention des maladies non transmissibles soit mieux prise en charge. On le sait tous que le combat contre les maladies non transmissibles ne sera pas gagné dans le soin. C'est par la prévention primaire, secondaire, tertiaire que ce combat sera gagné. Donc cela implique les patients, leur entourage, et je pense qu'il le décrit très bien dans ce livre. Et je terminerai par des mots de remerciement pour avoir partagé d'une si belle manière toutes ces histoires du diabète, toutes ces histoires de personnes, de patients vivant avec le diabète, et d'avoir rendu accessible cette réflexion d'un médecin qui est également un patient. Et je pense que c'est vraiment un livre qui est à lire et à relire. Et je suis sûre, en tout cas, qu'il y aura une suite à ce livre parce qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et j'attends vraiment avec impatience la suite de ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ida. J'ai ajouté un mot. Je ne savais pas que le diabète était une carrière. J'ai bien aimé ce clin d'œil. Mais une carrière, effectivement, suppose une gestion de la carrière avec des perspectives. Et ça rend optimiste de savoir qu'on peut faire de sa maladie un ami, un complice. Je pense que c'est aussi un peu ça le plaidoyer que lance Issa. Ne pas avoir peur de la maladie, la dompter, l'apprivoiser et s'assurer qu'on peut faire le plus longtemps possible un chemin avec. Donc je rappelle que Ida est socio-anthropologue et que c'est sur ce terrain sûrement que votre complicité s'est nouée, puisque la santé publique mène à cela, je crois. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à un diabétologue. Là, on rentre au cœur du sujet. Le professeur Seydou Nourou Diop, qui a été le chef de service de diabétologie de l'hôpital Abbas Ndao pendant des années, et qui, chemin faisant, est devenu imam, puisqu'il a contribué à l'érection de la mosquée qui est à l'hôpital Abbas Ndao et que lui-même dirige une autre mosquée après sa retraite. C'est donc un sachant, à la fois du point de vue de la santé publique, mais un sachant sur un autre versant qui le fait ressembler à mon père. Et c'est pour ça que je m'honore de siéger à ses côtés et je comprends pourquoi Issa aussi lui fait ce clin d'œil. Professeur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول المصطفى الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سنت يا الله بباخ ومن يوم أين توقعت في تي دولي شانان صلى الله عليه وسلم En passant par cette porte-là, je salue tout le monde. Et je souhaite à tout le monde le meilleur bonheur, le plus grand bonheur. C'est d'abord des mots de remerciement sur lesquels je reviendrai à la fin.
c'est remercier Issa. D'abord pour avoir écrit ce livre. Je pense que tout le monde me demandait toujours quand est-ce que tu as écrit sur le diabète. Eh bien, c'est fait. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est écrit. Et ça, c'est excellent. Le remercier, surtout de me mettre aussi à côté de personnes que j'aime beaucoup. Le modérateur a cité son père. Il y avait un lien ésotérique extraordinaire entre lui et moi. Je vous raconte juste une anecdote. Deux. La première, c'est qu'on se retrouvait souvent au mausolée de Montourneau. Pratiquement chaque fois qu'il y allait, je le trouvais assis et on faisait les doigts ensemble. Mais une chose extraordinaire s'est passée deux fois. La première, il m'a amené une grande photo de mon homonyme en me disant, cette photo-là, je veux que tu la mettes dans ton bureau. Mais ce qui était plus extraordinaire, un matin, alors que je ne m'y attendais pas, c'est un jeudi matin, il arrive dans mon bureau, directement venant du mausolée. Et il me dit, ce tourneau, mon émadiar, fait nul. Point, c'est tout. Voilà. Donc c'est juste pour dire la profondeur des relations qu'il y avait entre le professeur Ibrahim Owan et moi. Et je me réjouis de me retrouver et de parler après notre grand frère Abdoulaye Imane Khan, philosophe, et Ida, que je ne connaissais pas il y a encore un mois, mais que j'ai découvert lors justement de l'Alliance sur les maladies non transmissibles qu'organisait le ministère et que j'ai beaucoup apprécié. Je ne savais pas que c'était socio-anthropologue et je viens de le découvrir. Et je pense que c'est une gageure pour moi de devoir parler après un philosophe et une socio-anthropologue dans le cadre de ce domaine. Alors vous serez surpris, ce n'est pas le diabétologue qui va parler. Enfin, j'en parlerai un tout petit peu. Mais la plupart des choses que je vais dire, ce n'est pas des choses de diabétologue. Comme à part des formations professionnelles d'un enseignant à qui on donne un livre, c'est d'abord critiquer le livre. Mais je n'irai pas au fond des choses. Parce que d'abord, il faut dire que l'auteur a fait des constats amers et cinglants quand même. Ça, il faut le dire. C'est ce qui m'a le plus interpellé au départ. Et je lui ai dit, envoyez d'ailleurs un message. Notamment sur les aspects sournois de la maladie, une maladie destructrice à souhait. Par exemple, si vous lisez le livre, lisez le dernier paragraphe de la page 31 sur les complications installées à bas bruit, sans possibilité d'inverser la tendance à un stade avancé. Et ça, ça fait peur. Sur le déni, un très beau chapitre qui souligne d'abord la banalisation de la maladie par le médecin. C'est ce qu'il nous dit. Effectivement, le médecin d'entreprise dit « Oh, c'est rien du tout. » Et ça, je l'ai souvent entendu. « Oh, vous avez une glycémie à 1,40 g, c'est rien du tout. Faites un régime et puis ça va passer. » Eh bien, c'est ce patient qui va venir avec 3 grammes 6 mois après. Voilà, ça, je le dis pour les médecins. Il est important qu'on prenne au sérieux même le petit chiffre de diabète. Il n'y a pas de petit diabète. Alors, le déni par le malade aussi, qui pense que ça ne peut arriver qu'aux autres. J'en ai un à droite de moi là, qui est venu me voir il y a 10 ou 15 ans et qui n'est jamais revenu. J'ai encore son dossier que je vois tous les matins sur mon bureau et je l'attends. Il y en a qui applaudissent. C'est qui applaudissent. Je sais. Alors, donc, il décrit aussi au paragraphe de la page 1 la souffrance. Il dit que c'est la souffrance du corps social dans son ensemble. Et ça, c'est profond. Et j'ai bien aimé ce terme qui reflète une réalité. Réalité que j'ai rapportée en d'autres termes en 1995 par un ancien président de la Fédération internationale du diabète lorsqu'on était en congrès à Helsinki. Et il disait qu'il existe 4 types de diabète. Vous savez que tout le monde dit qu'il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1, celui qui prend de l'insuline tout le temps, etc., des jeunes. Et puis il y a le diabète de type 2. Mais en fait, lui, il dit non, il y a 4 types de diabète. Alors tout le monde était à l'écoute. Je venais juste d'entrer dans la salle. Et il dit, mais il y a le type 1 et le type 2 que vous connaissez, que nous connaissons tous très bien. Mais il y a aussi le type 3. Il dit, le type 3, c'est celui des soignants. Des soignants qui sont appelés à s'occuper des diabétiques de l'intérieur comme de l'extérieur, pour reprendre le titre de l'auteur. Ils sont diabétiques. Qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils vivent la vie du diabétique. Dans le cadre de l'empathie qu'il a très bien décrit. Mais il dit qu'il y a un type 4 aussi. Le type 4, c'est lequel? C'est celui des familles.
qui sont supposés accompagner, supporter le diabétique dans sa souffrance. J'y reviendrai, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand vous avez un diabétique dans la famille, vous êtes diabétique vous-même, que vous le veuillez ou non, parce que vous vivez l'expérience de votre patient. On pourrait y ajouter un cinquième type, c'est celui des décideurs. Parce que les décideurs devraient justement organiser la prise en charge de la maladie sur le plan global. Et il y a quelques années, chaque fois que je faisais une présentation sur le diabète en Afrique, je mettais en face deux groupes de pathologies. Les maladies transmissibles auxquelles tout était donné, vraiment tout était donné, sur le plan des finances, sur le plan de la formation et tout. On sait que nos universités sont fabriquées pour former les médecins sur le plan des maladies aiguës. Mais Seigneur, vous le savez, pour ce qui est des maladies chroniques, parce que c'est le parent pauvre, autant sur le plan de l'enseignement que sur le plan des financements. Et ça, il faut qu'on inverse la tendance, parce qu'on le sait aujourd'hui, 43% des décès des sujets avant 60 ans, c'est lié aux maladies non transmissibles. Et les familles souffrent parce qu'on l'a démontré, 74% des dépenses directes sont soutenues par les familles au Sénégal. Et ça, je crois que les décideurs doivent aujourd'hui réellement réfléchir sur ça. Heureusement, la réflexion est en cours. Et quand on a des personnes aussi engagées que Ida John, je pense que c'est des choses qui devraient se faire. L'auteur aborde à la fin de ce chapitre, justement sur le déni, la difficulté dans notre contexte d'établir un vrai partenariat soignant-soigné. J'y reviendrai à la fin. Je pense que c'est extrêmement important que ce lien soit fait. Pour toutes les maladies d'ailleurs, et c'est le concept d'éducation thérapeutique dont on parle justement, ça a été inventé pour les maladies chroniques, mais il est tout à fait valable pour les maladies aiguës. C'est pour ça qu'on a pu échapper à Ebola, c'est pour ça qu'on a pu échapper au Covid-19, etc. Donc ce concept d'éducation est extrêmement important. Alors j'ai bien aimé le chapitre « Visage du diabète et destin de diabétique » qui ramène encore le déni, la souffrance, la non-acceptation, aboutissant à l'inéluctable. Par exemple, si on prend le cas de Dibor, j'y reviendrai. Là aussi est fustigée l'apparente désinvolture des médecins. Je suis médecin. Et je l'ai bien écouté, je l'ai bien lu. Et le refus de communiquer, le refus d'accompagner le patient. Mais peut-être pourrait-on dire la fuite de responsabilité devant une situation sans solution apparente. Et pourtant, des solutions, il y en a. Et seulement, comme le disait Ida, il faut prendre les choses au départ dans le cadre de la prévention. Le cas de Dibor, page 55, 56, 57, semblait susciter de l'espoir. Quand j'y suis arrivé, j'ai dit, enfin un cas de réussite. Et puis à la fin, notamment avec l'intervention de Passo, c'est mon maître, c'est le professeur Ahmed Mustafa Sow, qui avait remis les choses en ordre, et on se disait, bon, pour une fois, il va décrire un cas de success story, eh bien, à la fin, c'est amputation et décès. Alors, je me suis dit qu'il est un peu, comment dire, déjà, mortel, là, Issaouan, franchement. Il y a quand même des success stories dans la prise en charge du diabète. Tu aurais pu en mettre au moins un ou deux, quoi. Que les gens aient de l'espoir en se disant, quand même, ça va aller, il y a des success stories. Parce que vous dites, à la fin, c'est justement amener les gens à gérer leur maladie. Mais gérer sa maladie, c'est devoir arriver à vaincre la maladie. Or, quand on lit le livre, on a un peu peur. Même en tant que spécialiste, je me dis, mais écoute, tout est dans le négatif. Fort heureusement, il faut aussi, comme j'ai dit, faire de l'espoir dans le discours. J'ai été interpellé par une phrase, par exemple, à la page 67, paragraphe 3. Le diabétique sait qu'il est condamné à une vie plus courte que le commun des mortels. Ah. Ça, ce n'est pas ce que disent les diabétologues. Hein? Les diabétologues, moi, ce que je raconte à mes malades, et c'est ce qu'on écrit partout, un diabétique qui devient conscient de sa maladie peut vivre plus longtemps qu'un autre qui ne l'est pas. Et je raconte une anecdote. Un monsieur qui est une sorte de grand frère, parce qu'on a grandi dans le même quartier, vient me voir une dizaine d'années avant ma retraite. Il entre dans mon bureau, il est diabétique. Il me dit, professeur, je remercie Dieu d'être devenu diabétique. J'ai dit, ah bon? Il me dit, je crois que si je n'étais pas diabétique, je serais mort déjà. Parce que le diabète m'a permis de me réorganiser et de vivre une autre forme de vie.
Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, donc, et les auteurs disent souvent, le diabétique bien éduqué, bien formé, peut vivre plus longtemps que quelqu'un qui ne se croyait pas diabétique. Qui n'est pas diabétique. Pourquoi? Parce que cet autre-là se dit, je suis en bonne santé et ne fait rien pour sa prévention. Or, comme le disait Ida, nous essayons d'organiser la vie du diabétique dans le bon sens. Et aujourd'hui, pour faire plaisir à ceux qui sont dans la salle, quand je parle du diététique du diabétique, j'ai dit il n'y a plus de régime du diabétique. Alors retenez-le bien, il n'y a plus de régime du diabétique. Le diabétique doit manger comme tout le monde, mais mieux que tout le monde. Non, mais c'est la réalité. Et c'est ça qu'il faut faire passer en premier dans le message. Un diabétique, un Sénégalais, qui devient diabétique à 50 ans, vous lui interdit de manger du riz, vous lui interdit de manger du pain, mais vous l'avez tué à petit feu. Or, il a le droit de le manger comme Issa Diallo doit le manger, seulement mieux que lui, en gardant les bonnes portions, simplement. Et comme pour faire une digression dans notre religion, que disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dit Dieu, Koulou, washrabou, voilà tout ce fou. Inna Allah la hubul musrifin. Mangez, buvez, mais ne faites pas du gâchis. Parce que le Dieu n'aime pas le gâchis. Et le gâchis, c'est de manger comme n'importe comment, comme un gourmand. Et un talibé de Seigneur Hadithi, m'a raconté une fois, excusez-moi d'être long, si je suis long, coupez-moi, hein, parce que moi, quand je commence à parler, c'est pour ça que j'ai écrit un texte d'ailleurs, pour être sûr de ne pas être trop long, parce que je suis très bavard quelquefois quand j'y suis. Alors, un des talibé, qui a été un ancien ambassadeur, me disait une fois, quand il était talibé là-bas, le Seigneur lui dit, « Diou, viens manger. » Il dit, « Seigneur, Bissourna, je dis, « Dégale que Bissourna. » Aux façons de dire, le bacarle. Hein, c'est un péché. Et ce péché de gourmandise, je l'ai écrit dans un article dont je parlais tout à l'heure, je l'ai écrit, le prophète en a parlé, les écrits religieux des chrétiens et des juifs en ont parlé aussi. Le péché de gourmandise est un péché, il faut le savoir. Donc réorganiser son alimentation permet de prévenir ces maladies, mais permet aussi de gérer ces maladies. Alors, donc, c'est ça l'espoir, en fait. Hein. Donc, il serait bon, quand même, de nuancer, monsieur l'auteur, cette partie-là. Alors, l'auteur apporte ensuite le poids de l'entourage. Et ça, c'est important. Les représentations du diabète, les traitements non conventionnels, il en a parlé. La réaction positive qu'on doit avoir, ce que décrivait l'auteur, en disant trouver la force dans le mal. La force dans le mal. Et quand Guilhem disait la santé dans la maladie, en parlant du diabète, il dit, le diabète, c'est le malade en bonne santé. Voilà, le diabète, c'est le malade en bonne santé. Regardez mon modérateur. Personne ne va dire que le diabète est écrit sur son front, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est important. Voilà, donc à partir de là, et il décrit aussi le changement d'attitude qui doit être salutaire. Mais ce changement doit intéresser autant les malades que les soignants. Tous les deux doivent changer. Il donne l'exemple justement du Ramadan. Vendredi prochain, je serai en Algérie pour parler justement des relations entre diabète et Ramadan. Je dois discuter avec des religieux musulmans là-bas pour ce qu'ils doivent dire exactement aux malades diabétiques qui viennent les voir. Alors, le fait de devoir innover en tenant compte de tous les environnements et de ses responsables. Parmi les autres questions abordées, le pouvoir du soignant sur le malade. J'y reviendrai à la fin. Les changements de paradigme dans la prise en charge faisant souvent fi aujourd'hui de l'humanisme, de la médecine. Alors, où va-t-on avec l'intelligence artificielle, monsieur le modérateur? Puisque maintenant, hier, j'ai reçu un malade qui avait une montre connectée qui lui permettait de savoir quel était le rythme de son cœur, quelle était sa tension, quel était son niveau de glycémie. Oh, apparemment, il disait plus besoin des médecins. Avec ma montre, je sais tout. Alors, où va-t-on? La question est vraiment légitime. Voilà, c'était quelques réactions sur le livre. L'auteur donne des solutions parmi lesquelles la prise de conscience de la personne vivant avec le diabète. Ce terme-là, l'OMS nous l'avance aujourd'hui. Pour lui dire la personne diabétique, ce qui est un terme très, très lourd, il nous demande de dire maintenant
personne vivant avec le diabète n'a toujours connotation avec ce qu'on a fait sur le VIH-SIDA. Personne vivant avec le VIH. Alors, ceci devrait être progressivement remplacé par le diabétique qui est trop lourd de conséquences. Dans la réalité, demandez à quelqu'un comme moi, et c'est là vraiment que j'entre dans ce que je dois dire. Le reste, c'était juste des commentaires sur le livre. Alors, demandez à quelqu'un comme moi qui a eu comme principale activité professionnelle la gestion des maladies chroniques, en particulier du diabète, de commenter ce livre, ce beau livre, je dois dire, autant dans sa présentation que dans son contenu, revient presque à me faire faire un examen de conscience à ce moment de ma carrière et à me poser énormément de questions. Et je me suis posé des questions, parmi lesquelles ai-je compris moi-même réellement ce qu'est le diabète? Quand je lis son livre, c'est la première question. Ai-je fait ce qu'il fallait dans la prise en charge durant ma carrière? Ai-je rendu le bon service? C'est vous qui répondrez à cela, ce n'est pas moi qui répondrai. En effet, en ma qualité de médecin, de professeur formateur en diabète, entre autres, ce livre m'a remué dans tous les sens et a amené à revoir tous mes concepts, toutes mes vérités, entre guillemets, sur la question, à me mettre davantage dans la peau du diabétique, du malade diabétique, un terme angoissant, je l'ai dit tout à l'heure, de préférence, prenons le terme « personne vivant avec le diabète ». Eh bien, dès mes premières années dans le diabète, excusez-moi, ça fuit, comme d'habitude. Alors, dès mes premières années dans le diabète, en 1979-80, avec mon maître, le professeur Sow, nous avions mis en place un programme de prise en charge, dénommé Action populaire d'éducation des diabétiques, avec l'aide notamment du département de santé publique de la faculté de médecine. Issawan était encore tout jeune à l'époque. Alors, nous pensions alors avoir fait un grand pas, avoir surtout trouvé la solution pour nos personnes vivant avec le diabète. Le programme avait pour objectif d'amener le malade à prendre conscience de sa maladie, notamment son caractère chronique, la nécessité d'une gestion au quotidien. Deuxièmement, à adopter un mode alimentaire adapté à sa maladie, mais ne s'éloignant pas de son alimentation traditionnelle habituelle. Parce que quand on venait d'arriver, tout ce qu'on proposait, c'était arrêter le riz, arrêter le mil, arrêter, etc. Donc il a fallu réintroduire ces éléments qui sont dans la maladie traditionnelle, appliquer des mesures d'hygiène de vie, en particulier pour la prévention du pied diabétique, et faire acquérir aux diabétiques une connaissance lui permettant de s'auto-surveiller par rapport à sa maladie et d'avoir un savoir-faire pour son auto-soin. Justement, c'était ça les objectifs au départ. Ce programme était appuyé par des émissions radio-télévisées et aussi des journées de sensibilisation au niveau communautaire. Moi-même, j'allais à la télé pratiquement deux fois par semaine pendant 15 minutes après le journal pour parler du diabète. On a eu des résultats excellents à court terme, avec dans le cadre d'une meilleure gestion du diabète, du recul des complications aiguës, notamment le coma diabétique, les amputations. Tout ça, c'était réglé. Mais il y avait d'autres obstacles. Alors, il m'avait été demandé justement en 2020 par des collègues marocains de publier, en fait, de travailler sur un sujet important. Excusez-moi, voilà. C'est un sujet qui s'intitulait « La gestion du diabète selon la philosophie, les religions et les croyances ». Donc ça entre carrément dans ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et je vais vous résumer ce que j'avais dit à l'époque. Le diabète sucré est une maladie de longue durée, lié à des facteurs immunogénétiques, immunitaires et génétiques, et des facteurs d'environnement, notamment la suralimentation et la sédentarité parmi ces facteurs d'environnement. Sa prise en charge médicale est bien codifiée. Effectivement, aujourd'hui, vous voyez le médecin le plus jeune, il vous dira, le diabète, il faut commencer par tel, terminer par tel, c'est important. Mais le succès du traitement dépend de l'adhésion du diabétique. Cette adhésion elle-même est tributaire de la perception que le malade a de son diabète. Cette perception est influencée par son environnement socioculturel, ses croyances et sa religion. Sur le plan philosophique, il est difficile de tracer une frontière entre le diabète et l'état normal, monsieur le philosophe. Et c'est ce que Canguilhem a appelé le paradigme de la pensée complexe, qui devait amener les soignants à sortir du modèle purement biomédical et à tenir compte des données sociologiques.
Le vécu socioculturel donne en effet au diabète des représentations et perceptions parfois éloignées du contexte scientifique. Ce sont toutes ces perceptions-là. Nous avons mené, par exemple, une enquête en 1996, au moment où on a mis en place le plan national de lutte contre le diabète, et on a interrogé les gens sur ce qu'ils pensaient du diabète, sur ce qu'ils pensaient des signes du diabète. Eh bien, la plupart étaient vus de façon positive. Je donne juste un exemple. Quelqu'un qui se levait la nuit pour faire pipi deux ou trois fois, pour eux, c'était un signe de bonne santé. Alors que c'est un des signes possibles du diabète, justement. Alors, la prise en charge pour être efficace doit tenir compte de l'interaction de ces conceptions du patient. Et plutôt que de les rejeter ou de les ignorer, il faut les intégrer. Et aussi à la réalité scientifique, réguler et confortant, adapter certaines expériences au mode de pensée du diabétique. En cela, je vais terminer ce résumé en disant, en cela, la foi en Dieu qui exhorte à la préservation de la santé peut aider. Alors, ce livre vient nous rappeler tout cela. Il nous aide à tenir compte davantage des contextes. Parmi ces contextes, l'environnement est au premier plan. L'environnement psychologique, l'environnement sociologique comportant la famille, l'ethnie, le spirituel, l'économique, l'alimentaire, l'instruction, la position, le rang social, la position d'accès à l'information, justement, et à la bonne information. Je n'ai pas développé, parce que je pense que Baye Oumar serait là, parce que l'information aujourd'hui gagne tous les combats. C'est vraiment le quatrième pouvoir, même en médecine. Aujourd'hui, vous voulez savoir quelque chose, vous allez sur Internet. Mais attention, prenez quand même l'avis du spécialiste. Parce que ce qui est dans Internet n'est pas toujours la panacée. Alors, la position à l'information, la communication sur le diabète, donc tout un apprentissage. Ce livre nous rappelle que le diabète, comme la gestion de toutes les maladies non transmises, requiert d'abord de l'humanisme à tous les niveaux. On devrait insister davantage dans les curricula dans ce cadre-là. Le professionnel de la santé doit apprendre à accompagner le patient, à déceler les obstacles. Tout ça, il l'a développé. Les obstacles éventuels à la gestion du diabète, notamment les barrières psychologiques, socioculturelles, mais aussi l'état de santé global, physique et intellectuel. Il doit l'amener à gérer l'état, il doit gérer l'état physique, psychologique, tel le déni, la colère, parce que tous les diabétiques sont là, la dépression. Il doit accompagner dans tous les compromis, avec les compromis nécessaires pour que j'ai pu en fait accepter sa maladie. Il doit susciter d'abord la confiance du patient. C'est important. Dès l'annonce du diagnostic, ceci est important. Gérer la peur et l'angoisse des complications avec lesquelles le malade arrive et dédramatiser justement, comme je le disais tout à l'heure, quand les choses sont bien prises en charge au départ, il peut ne pas y avoir de complications. Aujourd'hui, je donne juste toujours l'exemple d'une diabétique que je connais très bien, qui a 92 ans aujourd'hui, qui a 50 ans de diabète et qui lit encore son journal, qui monte encore tout seul ses escaliers. Donc, il y a quand même quelques success stories, monsieur l'auteur. Voilà. Voilà. Donc, le professionnel de la santé doit apprendre à reconnaître les représentations culturelles du diabète et sa perception dans la communauté. Sinon, on ne s'en sort pas. En Afrique, par exemple, certains vont l'apprendre. Trois catégories de diabète sont représentées. Je ne parle pas de type 1, de type 2. Ils disent d'abord le diabète naturel. C'est celui biomédical que nous connaissons, type 1, type 2, qui serait le moins fréquent selon la pensée africaine. Il y a d'abord, ensuite les deux autres qui sont plus fréquents. Le diabète provoqué par l'homme, par la sorcellerie. Le diabète ancestral provoqué par des êtres surnaturels, les ancêtres, les génies, les divinités. Eh bien, dans l'enquête que nous avons en 1996, justement, on avait vu ça. C'est-à-dire que les gens ne considèrent pas le diabète comme une maladie chronique. Pour eux, la chronicité, c'est autre chose. Et mon maître, le professeur Saul, le disait toujours. Les gens connaissent la maladie pour laquelle ou il guérit ou il meurt. Mais avoir une maladie à gérer toute sa vie, les Africains ne le connaissent pas. Donc, toute une information et une sensibilisation derrière tout cela. C'est en cela aussi que dans notre contexte, le rôle des médias et des associations de patients est primordial. Je dirais, comme Baye Oumar n'est pas là, les associations de patients, en fait, ont compris, en tout cas même ici au Sénégal, qu'ils doivent prendre le pouvoir à travers le monde entier. Parce qu'au départ, c'est les médecins qui ont créé les associations, mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui conduisent ces associations. Alors, je ne saurais terminer sans titiller l'auteur dans ses propres convictions. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Bon, mais cette fois, c'est direct.
Alors, après une longue carrière dans la gestion des maladies chroniques, je crois avoir compris certains éléments dont je donne deux ou trois. D'abord, le premier, c'est donner le pouvoir. C'est ce qu'il dit. C'est ce que nous souhaitons aussi. Tout le pouvoir aux patients, établir un partenariat gagnant-gagnant serait l'idéal. Mais ce n'est pas aisé dans cette maladie. Je ne sais pas dans d'autres maladies. La plupart des patients, intellectuels ou non, préfèrent laisser les décisions aux médecins. Il y en a très peu comme mon ami là. Alors, dans ma vie professionnelle, justement, j'ai fait le constat que deux catégories de patients qui devraient être les plus disciplinés sont les plus indisciplinés parce que ce sont eux qui sont responsables de la discipline, justement. Dites-moi lesquels? Les enseignants et les hommes de tenue. C'est les plus indisciplinés. J'espère qu'il y a les enseignants dans la salle. Seigneur Abdoulou sait très bien. Tous les enseignants que nous prenons en charge, c'est un sacré problème. Alors, les policiers et les gendarmes, c'est pire encore. Alors, les militaires en général, puisqu'il y a un grand général ici, là. Donc, les médecins, dans une moindre mesure, mais quand même les médecins aussi font partie de ce groupe. La deuxième réflexion. Les médecins en charge des personnes vivant avec le diabète peuvent être divisés en deux catégories là aussi. Les premiers, ce sont ceux qui font tout pour gérer le malade et non la maladie. Malheureusement, ce sont les moins nombreux. Et pourtant, c'est ça qu'il faut. On ne gère pas, comme disait notre maître, on ne gère pas une maladie, on ne gère pas un diabète. On gère une personne humaine ayant un diabète, mais ayant d'autres problèmes psycho-affectifs, d'autres problèmes de santé, ayant un environnement dans lequel il doit vivre. Ceci est extrêmement important et tous les médecins devraient comprendre cela pour les maladies chroniques. Malheureusement, il y a plus souvent ceux qui ne gèrent que la maladie et souvent dans cette gestion, on s'arrête à doser la glycémie du patient. Point barre. Votre glycémie est mauvaise aujourd'hui, monsieur ou madame, et on s'en arrête là. C'est la pire des choses. Il faut que le malade oublie qu'il est, ne se dise pas « je suis une glycémie, je suis un malade ». Alors, le troisième point, le succès de la présence, et c'est là que je termine, c'est aussi rappeler qu'enseigner, c'est répéter autant de fois qu'il le faut. Le combat n'est jamais gagné. Donc, le médecin doit apprendre, le soignant doit apprendre à accompagner. Et justement, un prix Nobel de la médecine qui a vécu de 1903 à 1989 disait: quand je dis quelque chose, cela ne signifie pas que le patient a vraiment écouté. Alors, le patient n'écoute pas tout le temps, tu l'as dit. S'il a écouté, cela ne signifie pas qu'il a compris. Alors, il faut savoir reposer la question. Il faut savoir reformuler la question, s'assurer qu'on a bien compris. S'il a compris, cela ne signifie pas qu'il est d'accord. Il comprend. Regardez à côté. S'il est d'accord, cela ne signifie pas qu'il fera ce que je dis. Enfin, s'il fait ce que je dis, cela ne signifie pas qu'il continuera à le faire. Et c'est vraiment tout le contenu de l'éducation thérapeutique. Et cela peut se résumer ainsi. J'appelle les étapes de Conrad Lorenz. Dit, mais pas entendu. Entendu, mais pas compris. Compris, mais pas accepté. Accepté, mais pas mis en pratique. Mise en pratique, mais pour combien de temps? Donc, ça veut dire que nous, les soignants, leur rôle, c'est d'accompagner et d'évaluer à chaque étape. Et justement, de ne jamais rejeter le patient. Quel que soit son comportement. J'ai une patiente, souvent elle vient me dire, elle est venue encore il y a deux semaines, « Professeur Tanguy, j'étais fatigué. Voici trois semaines, je ne fais rien. Je ne prends pas de médicaments, je fais rien. » Elle est sous insuline. Elle dit « Je n'ai rien pris du tout. J'en avais marre. » Alors, j'ai l'habitude de dire maintenant, vous savez, le diabète, c'est une prison. C'est votre prison, mais la clé est à l'intérieur. Tu sors quand tu veux. Mais je dis, attention, quand vous sortez, ne restez pas trop longtemps dehors, parce qu'il y a les loups qui pourraient vous manger. Voilà, c'est sur ce que je termine. Et je vous remercie encore beaucoup. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci. Ah, mais à tout seigneur, tout honneur, le diabétologue devait nous éclairer sur les dits et les non-dits du livre.
On a bien perçu effectivement les propositions d'amélioration de certains points, ce qui a été fait avec tact et élégance. Je pense que nous allons donner la parole à Issa. Il y a la maison d'édition qui voudrait prendre la parole. Ce sera après l'auteur ou avant l'auteur? Je consulte. Peut-être avant et après, comme ça, qui prend la parole au nom de Naira? Oui, parce que quand même, Nara plutôt. Oui, oui. Ah, ah. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Aïssatou Diop, co-gérante des éditions Nara. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici, monsieur, vous le savez. Donc, chers auteurs, monsieur, mesdames et messieurs, chers auteurs, professeur Issa Wan, je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer très chaleureusement tous les distingués invités ici présents et vous dire combien nous sommes touchés de votre présence et de votre affection. Je voudrais saluer et féliciter monsieur Issa Wan, qui a eu l'initiative d'écrire cette œuvre qui traite d'un fléau médical et qui a pris de l'ampleur ces dernières années, le diabète en l'occurrence. Je vous félicite, cher professeur, pour avoir pris le temps de documenter si méticuleusement cette œuvre. Vous avez fait, à travers le diabète et la vie, un travail remarquable. La pertinence d'une telle œuvre pour nos concitoyens a poussé les éditions Nara à l'éditer. Nous ne saurions terminer sans vous inviter, cher public, à soutenir vivement cette œuvre scientifique en l'acquérant. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, et merci à vous d'avoir édité ce livre et de le mettre à la portée du public qui, je pense, va s'élargir de plus en plus. C'est une œuvre utile. Merci à vous. Alors, la correctrice, oui, le professeur tient à ce que vous parliez parce que vous avez sûrement nettoyé beaucoup de coquilles. Voilà, nous voici. L'heure est arrivée. Annie Colli, je suis professeure de français. Et j'ai fini proviseur du lycée Tierno Saïdou Nogotal. À présent, je vois les têtes qu'on hoche. Quand on dit Saïdou Nogotal, tout le monde est bien content. Tous vos enfants étaient chez nous. Je vois ça. Et je vous en félicite. Parce qu'ils ont fait la gloire de ce lycée. Alors, je suis là parce qu'on m'a fait l'honneur de me proposer de corriger le texte. Ce que l'auteur a écrit, je n'y ai pas souvent touché. Et je viens témoigner qu'il y a encore aujourd'hui des auteurs qui savent, qui maîtrisent la langue française. Parmi les scientifiques, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Vous piétinez volontiers la langue sous prétexte que ce n'est pas notre langue maternelle. C'est une erreur, vous avez fait un choix. Aller jusqu'au bout. Parce qu'il est important que les gens comprennent ce que vous avez à communiquer. Donc, l'auteur est à féliciter. Il maîtrise parfaitement la langue française. Si je prends ce micro, c'est pour autre chose. Certains savent ici que je suis rescapée d'un grave accident. C'est passé, hein? Là, je danse, ne vous en faites pas pour moi. Je vis bien. Et cela m'a permis de vivre, comme le professeur Abdoulaye Eliman Kane, quelques bizarreries à l'hôpital. Quelques bizarreries. Vous vous souvenez que l'homme n'est que poussière? Et qu'il retournera poussière. Mais quand vous êtes couché dans un lit d'hôpital, vous êtes poussière. On vous a enterré
vivante. Votre famille, qui commence à ranger vos bagages dans des malles que vous allez retrouver peut-être. Vos médecins, qui ne vous parlent jamais. Ils traversent votre cabine, ils arrivent avec un bataillon de jeunes gens. Ça, les mamans, les mémés, là, n'aiment pas ça du tout. Hein, parce que parfois, la maladie, elle est très mal placée en plus. Voilà. Et ces gamins sont là. Ils ont une mine austère. Ils ont appris ça auprès de leur maître, qui lui aussi a une mine austère. Voilà. Vous, vous êtes couché. Moi, j'avais entre mes cils, je regardais la scène. Je suis enseignante d'abord, éducatrice. Donc, ce que je vois, c'est que ces gamins-là sont coincés et qu'ils vont reprendre le même modèle que leur modèle. Et ça, c'est très grave. Alors, quand j'en ai eu marre et quand je me suis portée mieux, ils m'ont retourné dans tous les sens, ils sont partis. J'appelle une des étudiantes et je lui dis, vous êtes burkinabé, comme notre amie André-Marie Dieng. Elle me dit oui. Mais cette fille, elle avait un masque de fer. Je lui dis, mais vous savez qu'on a besoin de vous voir sourire de temps en temps. Elle m'a fait un sourire tellement lumineux que toute ma journée a été belle. Et la petite, elle avait besoin de sourire. Elle avait besoin de communiquer avec ses malades. Elle n'avait pas besoin de faire semblant, de jouer au médecin comme on le lui a enseigné peut-être. Attention, mes chers professeurs, à ce masque que vous apprenez à vos étudiants à porter. Nous avons besoin de communiquer avec les médecins. Nous avons besoin de parler avec eux. Alors, leur patron n'était pas si âgé que ça. Moi, j'étais en orthopédie, à Principa, et celui qui m'a soigné avait l'âge de mon fils. Un jour, je lui ai dit, professeur, je ne savais pas si c'était un docteur ou un professeur, mais nous, quand on est malade, on est très malin, on appelle tout le monde professeur ou tout le monde docteur. Ah oui, attention, il ne faut pas qu'on nous fatigue davantage. Et ça marche très bien. Voilà, en plus des bananes qu'il faut donner et tout ça, on connaît. Bien. Alors, professeur, il me dit oui, Madame Colli. Il avait fini de parler dans un galimatia, une langue que je ne comprenais pas. Il a sorti tous les mots scientifiques pour ces gamins-là, mais pour moi, il n'avait rien. Je l'appelle, il s'approche, je le prends au collet. Et j'avance son visage jusqu'à ce qu'il soit tout près de moi. Je lui dis, mais professeur, comment vous vous appelez? Les gamins se disaient, elle est folle. Il éclate de rire. Il avait besoin de rire, lui aussi. Il éclate de rire et tout le monde autour de lui éclate de rire. C'est le patron qui arrive, vous riez. D'accord? Alors, il rit. Je lui dis, mais comment vous vous appelez? Il me dit son nom. Vous le découvrirez dans le livre que j'ai déposé dans une maison d'édition. Je lui dis, mais comment vous voulez que je prie pour vous si je ne connais ni votre prénom, ni votre nom? C'est que ce gamin, quand il arrive dans son service, de toutes les chambres, on l'appelle. Il est excellent. Mais il ne nous avait pas expliqué ce qui nous arrivait. Et il est revenu aussitôt avec toutes mes radios. Il a mis à la fenêtre, qui ne s'ouvrait jamais d'ailleurs, la fenêtre, il a mis toutes les radios. Il m'a expliqué ce qui m'est arrivé, où ça a été cassé, où est-ce qu'on a rafistolé et ce qu'on va faire de moi. Professeur, vous êtes un médecin proche de vos patients. Vous voulez leur parler. Je suis fille de médecin, Michel Sané.
docteur vétérinaire. Je suis belle-fille de médecin de campagne, le docteur Fiak Koli de Humboldt. Voilà. Oui, vous connaissez. Et les mamans connaissent, parce que comme gynéco, je n'ai jamais vu quelqu'un de pareil à lui. Il vous regarde, il vous dit, vous ne ferez jamais d'enfant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Kounek Akram Khama. Et papa Fiak, quand il vous recevait, vous le malade, il vous faisait parler de votre métier. Vous avez cultivé combien d'hectares? Kilo pomme de terre, niatele. Et puis vous tournez en rond comme ça pendant 15 minutes où vous oubliez votre maladie. Et quand enfin il vous dit, mais loulou fi indi, quelle que soit votre maladie, lui il a préparé la réponse. Doudara, ce n'est absolument rien. Et vous êtes guéri de l'intérieur. Vous êtes guéri. Et c'est ce qu'il nous faut retrouver. Je vous remercie. Alors, je pense que dès la publication du livre, on va se précipiter pour aller prolonger cette conversation, parce que c'est effectivement une belle conversation que vous avez ouverte. J'ai, comme vous, passé quelques jours à l'hôpital dans la première promotion du Covid. Et je sais ce qu'un mot gentil peut faire pour donner de l'espoir et aider à se relever. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. On va donner à l'auteur la parole. Ensuite, vu, je pense qu'aujourd'hui, à cette minute-ci, on a la plus forte densité de professeurs agrégés au mètre carré. Nous avons vraiment aujourd'hui la chance d'avoir des sachants. On pourra après leur donner la parole en priorité pour commenter. Et ensuite, on laissera à la salle le soin de s'exprimer. Mais là, la parole est au professeur Issa Wone, qui est le digne successeur de son père. Parce que quand son père était jeune, quand on lui disait « Yo, le candidat, il est Mane Diou ». Diou, c'était docteur Ibrahima Wone. Ensuite, il est devenu Piou, professeur Issa Ibrahima Wone. Alors, Issa a fait le même chemin. De Diou, il est devenu Piou. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis à cette table pour d'abord dire tout le bien que nous tous, la famille, nous pensons de lui, un bien qu'il mérite au quotidien par son humilité, sa gentillesse, son accessibilité et au bout de plusieurs années d'études et de pratiques, sa technicité pour nous soulager. C'est lui qui m'a la première fois appris que le diabète c'est une maladie sournoise et je pense que ça, c'est ce qui m'aide de savoir que le diabète il est là en silence et à un moment donné, il vous donne un coup au pied ou bien il vous donne une claque aux yeux ou bien il vous donne toutes ces pathologies qui compliquent ce que vous appelez pudiquement complications. Et c'est le mot sournois qu'il m'a appris depuis quelques années. Je vis avec et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais là? Mais aujourd'hui, j'ai eu un avocat parce que, évidemment, mon ami Pam Ndiaye, qui surveille le nombre de cuillères que je prends, vient d'apprendre qu'il doit me laisser faire. Professeur Issa. D'accord, merci. Qu'il doit nous laisser faire, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis honoré de la présence de qualité qu'il y a à cette séance de présentation et de dédicace. Je n'ai peut-être pas la quantité, mais Dieu merci, j'ai la qualité. Avoir donc toutes ces personnalités qui sont ici aujourd'hui. Je remercie donc ma famille, les collègues qui sont là, les amis qui sont nombreux ici, je ne vais pas les citer. Les oncles et les tantes qui sont également bien représentés ici, les cousins, les cousines, je ne vais pas non plus les citer.
Vous me permettrez simplement de faire un hommage avant d'aller à mon propos, à mes maîtres qui sont là, parce que c'est d'abord une tradition médicale, une tradition de la médecine, d'honorer ses maîtres où que vous les trouviez. On le jure, et moi je l'ai juré il y a 32 ans, donc je me dois d'honorer mes maîtres qui sont ici présents, à commencer par le professeur Saïdou Nourou Diop. Je lui disais tout à l'heure que tout ce que je connais sur le diabète, c'est lui qui me l'a enseigné, parce que j'étais en quatrième année à une période où je pense que c'était le principal enseignant qui était au service, disponible pour faire des cours. Les professeurs Issacha Diallo et Antatal Dia, c'est eux qui m'ont tout enseigné en santé publique, parce que mon père m'avait confié à eux pour... Donc, l'apprentissage pratique de la santé publique, le professeur Serigne Abdouba, mon maître. J'assimile au maître Fatou Diakhaté et Aïda. Ce ne sont pas des maîtres, ce sont des collègues, mais auprès d'eux, j'ai également beaucoup appris. Alors, ceci dit, j'aimerais m'arrêter un peu sur ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Ce livre prétend être. D'abord, un ouvrage de vulgarisation scientifique sur une maladie qui touche aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Je ne me fie pas aux chiffres officiels parce qu'ils sont trompeurs et ils cachent, en fait, la face invisible de l'iceberg. Beaucoup de diabétiques ne se connaissent pas. Et beaucoup de diabétiques qui se connaissent, qui se soignent, ignorent que le diabète, c'est une maladie chronique. Le professeur Saïdou Nourou a beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire que c'est une maladie avec laquelle on vit toute sa vie, et surtout que c'est une maladie évolutive. Et j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que autour de moi, j'ai vu beaucoup de diabétiques qui sont sous metformine 500 depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui pensent que ça va, tout se passe très bien parce qu'ils ne ressentent pas de douleur ni de souffrance. Donc, ils sont au traitement initial. Sans aller voir leur médecin, ils croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils prennent cette pilule magique qui, pensent-ils, donc leur garantit la bonne santé. Alors, pour ce qui me concerne, ce livre est aussi un témoignage, on l'aura facilement deviné. Je vis avec le diabète depuis une quinzaine d'années, avec une double hérédité, donc diabétique, de père et de mère diabétique. C'est très, très difficile d'y échapper. Et en tant aussi omnipraticien, pendant des années, j'ai pratiqué comme médecin généraliste et j'ai eu à observer des patients, à observer leur pratique et surtout à observer, quand j'ai exercé en milieu rural, le recours très fréquent au traitement non conventionnel. Par traitement non conventionnel, il s'agissait surtout de phytothérapie. Je l'ai observé et cela m'a interpellé à plusieurs reprises. C'est aussi une réflexion sur une maladie dont l'incidence augmente. En partie fondée sur des emprunts à d'autres disciplines. La réflexion ne s'est pas arrêtée seulement à la discipline médicale ou de la santé publique. J'ai fait des emprunts à la socio-anthropologie, avec le livre de Jacques Barrier qui m'a beaucoup marqué, La blessure et la force. Et ce livre m'a apporté beaucoup de d'enseignements et surtout le fait d'aller au-delà des statistiques. Je pense que c'est un peu ça qui a entraîné le biais qu'évoquait tantôt le professeur Saïdou Nourou Diop. Quand on dit que le diabétique vit moins longtemps qu'un non-diabétique, c'est une vérité statistique. Mais on sait très bien que dans toute vérité statistique, il y a un risque d'erreur. Et Dieu merci, cet homme de 92 ans fait partie de la zone d'erreur. Et j'espère que nous en ferons partie également. Mais grâce à la discipline, grâce à l'hygiène de vie. Je me suis intéressé à l'histoire du diabète aussi, en allant retrouver les livres que mon père qui ont été offerts à mon père il y a près de 70 ans. Ces livres sont encore là.
Et j'ai beaucoup également appris dans ses livres sur l'histoire du diabète depuis ses débuts, depuis qu'on rendait diabétiques les pauvres chiens pour voir qu'est-ce qui marchait pour leur traitement. Alors, également, en observant la pratique médicale dans le contexte de pays en développement, je crois qu'on en a assez dit déjà, Mme Annie Colli en a parlé, professeur Seydou Nourou, le professeur Abdoulaye Eliman Kan en a parlé dans son livre Saraba. Le Covid existe, je l'ai vécu et c'est un peu ce qui a été redit ici. On a un problème pour réguler la pratique médicale dans notre contexte. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est tous les pays en développement. En particulier, ceux que je connais le mieux, les pays d'Afrique subsaharienne. Je pense qu'il y a là un effort de réflexion, je ne sais pas, peut-être je pense qu'en fait on a adopté des lois qui ne sont pas forcément adaptées à nos environnements socioculturels, c'est peut-être ça. Quand je pense au code de déontologie médicale, quand je pense à la loi sur l'exercice de la médecine, quand je pense aux différents textes qui organisent la pratique de la médecine, je me dis peut-être qu'on aurait dû, évidemment avec prudence, mieux les adapter à nos contextes de pays en développement. C'est une réflexion ouverte. J'ai aussi voulu faire un plaidoyer pour une meilleure compte des maladies non transmissibles. Parce que ce que je crois, c'est que, et notre maître Seydou Nourou vient de le rappeler, on ne peut pas parler de la gestion du diabète ou bien de la prise en charge du diabète sans penser à la prise en charge des autres maladies avec lesquelles elles s'aggravent mutuellement. Quand on est diabétique, on doit surveiller son cœur et ses vaisseaux. On doit également surveiller son taux de lipides dans le sang. Évidemment, on parle des maladies les plus fréquentes, simplement, celles qui ont ce qu'ils appelaient l'essence de mauvais procédés. Je crois que c'est un terme de notre maître, le professeur Ahmed Moustapha Sow. Donc, un plaidoyer pour que les maladies chroniques soient prises en compte de façon globale, pas de façon sectorielle. Ça ne sert à rien, à mon humble avis. Même au plan politique, je ne parle pas seulement au plan opérationnel, de distinguer le diabète des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires chroniques et des autres maladies chroniques. Plaidoyer donc pour l'auto-soin, évidemment toujours sous la supervision d'un agent de santé qualifié. Plaidoyer pour enlever la stigmatisation qui pèse sur le patient diabétique. Ce n'est pas la même stigmatisation qu'on peut évoquer pour les malades tuberculeux ou pour les malades lépreux, mais une sorte de stigmatisation sociale ou sociétale. Par exemple, quand on va en pharmacie, et ça je l'ai dit dans le livre, et qu'on demande un édulcorant, moi je ne dis jamais édulcorant, alors le vendeur vous dit « Ah, sucre diabétique, voilà sucre diabète ». Je dis non, c'est un édulcorant, ce n'est pas un sucre diabétique. Donc c'est un problème à ce niveau. Qui interpelle la société. Je vais terminer par dire ce que ce livre n'est pas, ce que je n'ai pas voulu dire, ce que je n'ai pas la prétention de dire, c'est d'abord, je n'ai pas écrit un livre de médecine préventive, ce n'est pas un livre de prévention individuelle du diabète, un livre de recettes et astuces. Bien sûr, il y a ça et là des conseils, des recommandations connues par ailleurs. Mais le livre, son objet, ce n'était pas d'écrire un livre de prévention au sens strict du terme. Ce n'était pas non plus un ouvrage didactique. Ce n'est pas un livre sur lequel on va se baser pour approfondir forcément ses connaissances sur les aspects fondamentaux du diabète. Alors voilà ce que je voulais dire en guise d'explication, d'introduction. En vous remerciant encore une fois de m'avoir donné la parole et en remerciant tout le monde pour leur présence. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, Baye Oumar Gueye est là. Votre place était là. Venez nous rejoindre et vous faites une petite communication.
Ou alors, c'est bon? Venez là. Vous aviez votre... On avait mis sous le coude, sans jeu de mots, votre... Vous étiez bien prévu ici. Voilà. Bonjour tout le monde. D'abord, m'excuser de ce retard parce que c'est indépendamment de ma volonté. Les informations se chevauchent et ça va très très vite. Et cette responsabilité nous impose également une présence parce que quelque part nous sommes obligés de veiller avec la filtration, ce qui sort. Parce que sur le plan pénal, nous sommes le premier responsable. Et nous ne pouvons pas nous absenter devant cette responsabilité. C'est l'une des causes principales de ce retard. Mais j'ai tenu, quel que soit Alpha, à être là. À être là pour deux raisons. La première raison, c'est l'auteur de l'ouvrage avec qui nous avons un tout petit peu travaillé dans le cadre de l'Alliance au départ, même si par la suite, j'ai dû me faire représenter par un autre membre de l'association, mais je vous avoue que nous veillons et nous suivons de loin ce qui se passe à l'intérieur. Vous l'avez dit là où vous avez terminé, que le diabète est une maladie transversale. On ne peut pas s'en occuper seulement en faisant fi aux autres pathologies chroniques. Je pense que vous avez raison. Et le professeur Seydou Diop, que je remercie amplement parce que c'est notre autorité au niveau de l'association, c'est lui qui s'occupe de la commission scientifique, c'est bien de quoi il est question quand on parle de diabète. J'aurais pu ne pas prendre la parole, mais c'est juste un mot de remerciement à l'endroit de mes aînés, mais de mes pères également. Le professeur Abdoulaye Eliman Kane en sait un tout petit peu parce que nous partageons le département de philosophie. Mais c'est aussi quelqu'un qui a marqué et qui continue à marquer de son empreinte en termes de moralité, d'éthique, mais surtout de bienveillance, avec toute la sagesse requise. C'est du moins ce que je retiens lorsqu'il était question de l'inviter sur nos plateaux. Soyez-en remerciés, professeur. Professeur Wan, Ida, vraiment merci. C'était juste le mot de bienvenue. S'il faut maintenant agir sur l'ouvrage, je dirais que c'est un ouvrage plein d'enseignements. Pour avoir été et pour être aussi diabétique, parce que quelque part, on se retrouve dans tout ce que vous avez écrit. La dimension philosophique a été relatée et bien traitée. Et justement, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis toujours dit quelque part, dans le cadre de la prise en charge d'une maladie comme le diabète, il était question de comprendre, au-delà de l'aspect médical, l'aspect social, l'aspect psychologique. Et vous avez dû rencontrer des diabétiques en pleine consultation. Quelque part, vous demandez, mais est-ce qu'il s'agit de diabète? Parce que ça sort systématiquement au départ du diabète. Et il faudra, dans la prise en charge, intégrer. Peut-être même à plus de 80% quelque part. Parce que finalement, l'équilibre glycémique est recherché, c'est vrai, c'est la base. Mais surtout, qu'est-ce qui est la cause en termes de dérapage chez le diabétique? Et le moi importe extraordinairement. Et nous, au niveau de l'association, quelque part, ça nous a amené à comprendre ou à aller nous interroger sur l'appartenance sociologique, pour ne pas dire culturelle même du patient, qui, quelque part, développe un déni extraordinaire. Mais ce qui est dommage, c'est que proximité avec le patient, vous vous rendez compte que c'est l'un des éléments les plus intelligents de la société. Et vous en perdez quelquefois de façon dramatique dans des situations que nous ne pouvons pas expliquer. Mais s'il était question de prendre en charge cette dimension sociale, culturelle et sociologique, psychologique même, on pouvait quelque part réussir et de mieux la prise en charge. Et c'est quelque part pour moi l'élément fondamental qui nécessite
une réflexion et que l'auteur a relaté, mais surtout le professeur Abdoulaye Liman Kane, entre déterminisme et l'indéterminisme, qui nous impute une certaine responsabilité, responsabilité qui n'est pas que individuelle, professeur, elle est aussi collective. Et c'est là le rôle de la prévention, mais surtout dans l'accompagnement des patients, que ce soit au niveau familial, quelquefois il a été ou elle a été accompagnée. Quelquefois, c'est des parents qui ont donné toute leur vie à la société. Mais est-ce que la société leur a rendu cela? Je pense que le plaidoyer, mais surtout la conscience de nos politiques, importe beaucoup pour ceux-là qui se sont donnés corps et âme et arrivés à un moment donné de leur âge, nécessite un accompagnement, une protection. Je pense là, je m'arrête là, parce que quand je dois parler du diabète, ça ne finit pas. Et parce que c'est de nous qu'il s'agit. Et je pense quelque part, cette présence aujourd'hui réconforte. Et je m'attends de faire un petit plaidoyer et de transcription, justement, de ce livre dans toutes les langues. Parce que ça peut beaucoup aider et de faire accepter aussi la pathologie. Parce que quelque part, quand vous avez pris conscience de votre rôle et de votre place, c'est exactement ça qu'il faut saluer dans une société. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Baye Omar Gueye. Vous avez d'autant plus de mérite qu'aujourd'hui, tout le monde est accroché aux lèvres du grand timonier de la République qui doit parler dans quelques minutes, je crois, à midi. Donc, que vous ayez trouvé le temps de venir montre quand même que vous attachez beaucoup d'importance à cette manifestation. Et je vois votre téléphone sonner. N'hésitez pas à le prendre hein, pour nous dire à quelle sauce on va être mangé. Alors maintenant, je pense qu'on va dans un premier temps donner la parole au professeur et médecin. Je vais succomber à la tentation de donner à ma sœur Anta, la dame, la seule dame que je vois parmi les professeurs, pour qu'elle commence. Et ensuite, à sa... mais elle se cache, celle qui est derrière. Ah, elle se cache. Fatmata. Oui. Il faudra qu'elle vienne devant. Mais donc, Anta, vous avez la parole. Il y en a deux autres. Bon, on est heureux de voir que en médecine, l'approche genre a des fruits. Merci. Mon frère, bonjour, chers amis, chers collègues, chers parents. Donc, c'est un plaisir immense pour moi de venir participer à cette... à plusieurs titres, hein. Parce que tout simplement, dans cette assemblée, il y a beaucoup de personnes que je connais. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai cheminé pendant des décennies. Et il y a des personnes qui me sont très proches, et surtout il y a Issa. Donc Issa, je peux dire que je suis sa grande sœur. Nous avons certes cheminé ensemble dans le service de médecine préventive et santé publique. Et c'est le professeur Ibrahim Owon, pendant que j'étais en pédiatrie, pendant que ce poste était très convoité par les premiers spécialistes en santé publique, qui m'a invité à venir en santé publique. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que tout simplement en santé publique, en pédiatrie, je me suis rendu compte que la masse des enfants que nous recevions en pédiatrie, nous aurions pu diminuer ce nombre-là en appliquant des méthodes de santé publique et de médecine préventive. Parce que c'était des malnutritions, c'était des enfants qui avaient des maladies évitables par la vaccination, etc. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Mon maître de l'époque, le professeur Mohamed Doufal, paix à son âme, me disait, mais Anta, pourquoi tu vas en santé publique? Quand tu fais de la pédiatrie, tu fais forcément de la santé publique. Donc je lui ai dit, bon, étant donné que j'ai fait la spécialisation, je sens que je serai beaucoup plus utile en santé publique qu'en pédiatrie. Et en fait, je peux affirmer ici, sans fausse modestie, que c'est la santé publique et la médecine préventive qui a introduit au sein de la
faculté de médecine, toutes ces démarches qu'on voit maintenant. Donc, il y a mes chers maîtres qui sont là. Il y a le professeur Diop, c'est Dounourou Diop. Issa l'a dit tout à l'heure, à qui je rends hommage. Le professeur Ba, cardiologue. Et d'autres également, mes jeunes sœurs qui sont là, Nafissatou, le professeur Kane, etc. Donc, toutes ces personnes-là, et il y a notre jeune successeur, le professeur Adama Faye, ils se sont emparés des principes de la prévention, que ce soit dans la diabétologie, dans les maladies cardiovasculaires, dans les maladies hématologiques et autres, on s'est rendu compte qu'au Sénégal, si on construit des hôpitaux en pagaille, qu'on mette en place des machines d'hémodialyse, qu'on forme des cardiologues, à un certain moment, ces maladies sont tellement envahissantes on ne pourra plus les contenir. Donc, c'est la prévention la solution. C'est la prévention. Et je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui de dire qu'au début, notre démarche n'était pas très bien comprise. Il y a des collègues qui me disaient, ah, vous allez quitter la pédiatrie, la clinique, pour aller parler du péril fécal. Hein? Suivez mon regard. Hein? Mais je pense qu'actuellement, tout le monde est d'accord. Et dans tous les programmes de santé, on met la prévention en avant. Et ce, d'autant plus ici, dans cette pathologie dont nous parlons aujourd'hui, le diabète. Et dans le livre d'Issa, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'en fait, c'est une étude de cas de maladie non transmissible. Et la démarche qu'il a utilisée, il peut aussi l'étendre à toutes ces maladies non transmissibles. Il les a citées, les maladies cardiovasculaires, du cœur, du poumon, des reins, etc. Et dans ce livre également, je retrouve la plume de notre cher maître, le professeur Ibrahim Awad. Pendant toutes ces décennies qu'il a été à la faculté de médecine, je peux vous dire que les étudiants se l'arrachaient. Un étudiant qui n'avait pas comme président de jury le professeur Ibrahim Awad était un peu déçu, un peu frustré, parce que ces présidences de soutenance de thèse étaient courues. Non seulement la thèse elle-même était analysée, parce qu'aucun membre du jury n'osait siéger à ses côtés, sans avoir bien lu la thèse et bien choisi les expressions idoines. Gare aux mauvaises expressions, aux mauvaises interprétations, etc. Et dans ses soutenances de thèse, non seulement il parlait de la médecine, mais il parlait de la vie de tous les jours. Il parlait religion. Et dans le livre de Issa, j'ai retrouvé cette plume. Ça ne me surprend pas. Hein? Nous avons cheminé longtemps. Je connais son éloquence et sa maîtrise de la langue de Molière. Et sa maîtrise aussi du Wolof. Bon, le poulard, je ne peux rien en dire parce que moi-même, je ne la pratique pas. Et Issa, dans ce livre aussi, ce qui m'a le plus séduit, c'est qu'il a pu expliquer ces termes barbares dont parlait Mme Colli tout à l'heure. Quand je lis son explication qu'il a donnée, l'explication qu'il a donnée de l'hémoglobine glyquée, hein, vous voyez, c'est un terme assez obscur, hein, j'étais vraiment ravie. Et je me suis dit, voilà la voie à prendre pour que les patients comprennent enfin les maladies auxquelles ils font face. Et j'espère que ce n'est que le début, Issa, et que vous allez continuer dans votre lancée, parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup aux maladies non transmissibles. Donc je suis un peu frustrée également, parce que je n'ai pas pu suivre les exposés de mon cher maître, le professeur Seydounourou Diop, l'exposé de Ida, l'exposé de notre cher maître, le professeur Abdoulaye Elimane Kane. J'ai pu heureusement suivre l'exposé de Bama. Mais j'espère que ce ne sera que partie remise et que nous serons aussi conviés d'ici quelque temps à un autre document sur les autres maladies non transmissibles. Donc bravo Issa et merci beaucoup.
Moi, j'allais m'éclipser. Bon, écoutez, peut-être, j'ai énormément appris avec ce livre. Je suis moi-même diabétique. Et c'est, bon, elle m'a imposé la prise de parole. Bon, donc je pense que ce que je tire, ce que je retire de ce livre, pour être très rapide, c'est un formidable optimisme pour nous qui sommes diabétiques. Et les professeurs qui se sont succédés ici nous l'ont encore plus clairement démontré sur le plan de l'interprétation philosophique. Le professeur Seydounourou, que je salue respectueusement aussi le plan scientifique, et notre parente Serrère nous a aussi éclairé là-dessus. Je ne suis pas étonné qu'elle ait dit que l'élément qui l'a le plus intéressé dans le livre, c'est l'aspect alimentaire. Quand le professeur Issa Won nous dit qu'il est donc possible, à la page 98, à défaut de guérir, de vivre tout à fait correctement avec une maladie comme le diabète, le patient doit avoir une part très active dans la prise en charge de sa maladie, et cela est grandement facilité par la démocratisation de l'accès à l'information scientifique. C'est tout à fait vrai, et ça, je pense que on le vit, et dans son livre aussi, et tout ce qu'il a dit qu'il n'est pas. Il dit que son livre n'est pas pour apprendre, on apprend. Il dit que son livre n'est pas pour donner des règles. On a des règles parce qu'il y a des exemples qui sont là-dessus. Et ce livre est donc à la fois très pédagogique, extrêmement informatif. J'ai appris énormément de choses sur cette maladie, alors que je la vis depuis plusieurs années. Et bon, je la vis à côté aussi d'une compagne qui te salue, qui a aussi été extrêmement... c'est Awa qui regrette n'être pas là, qui n'est pas au Sénégal, sinon elle serait ici avec vous. Bon. Je suis en tout cas, moi, j'en fais une sorte de livre de chevet que je relis, que je lis et que je relis. Donc je te remercie. Il y a une association des diabétiques qui va mieux encore te remercier. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'est extrêmement utile et je te remercie pour cela. Merci. Merci beaucoup. Mais vraiment, moi, je pense que si je devais parler de mon frère Issa, ça pourrait être très long. Nous avons également cheminé ensemble, comme l'a dit ma sœur Antetaldia, avec le professeur Ibrahim Wan. Moi, j'étais le fils du professeur Ibrahim Wan que j'ai revendiqué avec Issa. Et heureusement, son papa avait beaucoup confiance en moi. Quand Issa devait faire la santé publique, il me l'a confié, en disant que son parcours, lui, c'est qu'il a pratiqué la santé publique avant de l'enseigner. Et il avait beaucoup insisté pour que nos étudiants pratiquent ce qu'ils vont enseigner demain. Et c'est ainsi qu'il m'a envoyé Issa à Fatick et que j'avais mis à Diofior qu'il a accepté. Parce que quand je l'ai envoyé à Diofior, ce n'était pas facile. Je pense qu'il ne l'a pas relaté dans son livre, mais il a vécu de très bons moments et certainement des moments difficiles également. Donc Issa... Vraiment, si nous devions parler de son père et de ses rapports avec nous, ça pourrait être très long. Mais je vais revenir seulement sur, pour montrer ses qualités, le choix de son panel. En choisissant un panel pareil, Issa nous a dit qui il est. Il a compris qu'il fallait un socio-anthropologue dans l'équipe. Il a fallu son maître qui nous a enseigné tous le diabète. Il a fallu un philosophe et un journaliste. Issa, ce choix nous montre qui tu es et ta compréhension de la santé publique. Si je devais t'évaluer aujourd'hui, je dis que tu as compris vraiment toute la philosophie de la santé publique. C'est d'abord aujourd'hui les socio-anthropologues qui nous ont appris ce que tu es en train de traiter dans le livre, pour comprendre que quand on a la santé, on ne se préoccupe pas de la santé. Et c'est pourquoi le diabète est difficile. Celui qui a la santé, et lui-même il a dit, et le professeur nous l'a confirmé, que c'est la bonne santé
de la maladie chez les malades. Donc quand on a la santé, surtout quand on est dans un pays pauvre, on se préoccupe d'autres choses qu'on n'a pas. L'homme est ainsi fait. C'est ce qui fait que la prévention est extrêmement difficile. Celui qui a la santé, dès qu'il met son pied sur terre, il s'occupe d'autres choses qu'il n'a pas. Et il a l'impression que là, la santé qu'il a, il ne la perdra pas, ce sont les autres. Et ce qui font que les médecins, quand ils ont la santé, ils ne s'en préoccupent pas aussi, c'est tout le monde. On dit que ne fumez pas, ça vous tue, mais c'est le plaisir qu'il voit dans la vie, mais il a la santé. Ne mangez pas ça, vous êtes diabétique, mais vous avez la santé. Surtout au sens de l'OMS, complet état de bien-être physique, mental et social, et ne veut pas seulement dire l'absence de maladie ou d'infirmité. Et ce qui fait que la prévention primaire est extrêmement complexe. Et Issa, en toute modestie, dit que son livre n'est pas fait un livre didactique, mais c'est un livre que je conseille aux étudiants en médecine, comme je le conseille aux populations. Parce que le livre contient tout le monde. Et surtout moi, ce que j'ai aimé, Issa l'a montré encore, qu'il est un spécialiste de la santé publique. Il n'a pas fait la statistique et la biostatistique, même si tu n'as à refaire. Ce n'est pas mis dans le livre. On n'a pas vu beaucoup de statistiques et de biostatistiques, mais au contraire, on a eu des réflexions extrêmement profondes sur la santé communautaire et la promotion de la santé. Parce que quand vous-même vous proposez aux gens de faire du sport, mais ça ne prévient pas une maladie donnée. Mais on sait que le sport est extrêmement important pour les diabétiques. Quand vous revenez encore sur l'approche de santé communautaire en parlant depuis le partenariat, en montrant tous les éléments qu'il faut pour transférer les compétences et les connaissances aux diabétiques pour notre prise en charge, vous avez compris vraiment que finalement, la santé est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas la confier à quelqu'un d'autre. Sa santé, c'est l'autre prise en charge. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même dans les enseignements, on disait aux médecins, pour revenir sur ce que notre sœur a dit, en réalité, même si on n'a pas réussi, aujourd'hui, on est en train de changer pour que le médecin ne se comporte pas comme. Parce qu'aujourd'hui, nous essayons avec notre ami, c'est pourquoi chaque fois que je vois mon ami Sidou Nourou, je suis très content parce que je lui dis que nos ancêtres nous enseignaient que l'apprenti, le médecin est l'apprenti du bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas de frère, ni de sœur, ni de fils. Et c'est lui qui a fabriqué cette machine complexe. Et quand vous les réparez Peugeot, on vous dit allez-y vous former chez Peugeot. Le meilleur mécanicien de réparation de Peugeot, c'est celui qui est formé dans la maison de Peugeot. Le meilleur réparateur de Renault, c'est celui qui est formé à Renault. On peut dire donc que le meilleur réparateur de la machine humaine, c'est d'aller chez celui qui l'a fabriqué. Mais celui qui a fabriqué la machine humaine, on ne peut pas aller chez lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre les attributs que l'on lit à cette personne. Et il l'a dit tout de suite, son introduction montre que le soignant doit avoir les attributs que l'on met sur le compte du bon Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur médecin, ce serait un médecin qui comprend que la générosité, la bonté, la gentillesse, tous les attributs qu'on lit au créateur de la machine, il l'a. Sinon, on ne peut pas soigner. Il a dit, lui-même, dans le livre, sans le dire, que pour être un bon soignant, il faut ce partenariat gagnant-gagnant, mais que vous compreniez qu'il faut avoir une approche holistique. Non pas seulement la glycémie, comme a dit le professeur, mais l'être complet. Donc, vraiment, je ne vais pas être très long. Comme je dis, ce livre vraiment est une source d'inspiration qui nous permet, nous tous, de réfléchir. Et merci beaucoup d'avoir dit que c'est une réflexion sur le diabète. Et donc, la réflexion continue. Merci beaucoup, mon cher Kader. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ému. Je commencerai par remercier Issa pour nous avoir réunis ici. Pour l'apparition de son livre. Mais je pense qu'il devra nous réunir encore une autre fois autour d'un dîner-débat très diététique pour pouvoir discuter en long, en large, parce que tout ne peut pas se dire aujourd'hui. C'est un sujet qui est très important, qui interpelle tout le monde. Je commence par saluer le panel, avec le professeur Abdoulaye Liman Kane, que j'ai côtoyé au niveau du conseil de l'université, qui est un grand philosophe. Si on ne m'avait pas volé ma bourse, peut-être que je serais philosophe aujourd'hui. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et à côté de lui, il y a mon frère de Hadj, mon cher Hadj, Amadou Tidiane Wan,
qui m'a dit, écoute, Serigne Abdou, on ne cherche pas le jour du Hajj à s'approcher de la Kaaba. On va faire un taf très large, on ne faut pas qu'on se bouscule. Et au cinquième tour, on nous a ouvert la porte. On est arrivé, on a mis la tête. Et personne ne voulait plus quitter. On a dit, Serigne Abdou, c'est quoi? J'ai dit, j'ai arrivé. On ne pensait pas, en ce jour béni, pouvoir mettre la tête à l'endroit béni, vraiment. Bon, à côté de lui, il y a mon grand frère, mon ami, mon tout, Seydou Diop. Et en l'écoutant tout à l'heure, je me suis rappelé de notre maître, le professeur Wan, à son retour de Chine. Je pense qu'on était en troisième année de médecine, des trucs comme ça. Il est venu nous faire une très brillante conférence au Grand Amphithéâtre. Il a tellement parlé et finalement, à la fin, pour conclure, le professeur de Lauture, qui aussi était plein d'esprit, a dit, vous avez vu Yuan, il est comme le Yang Sekia. Il est torrentiel à son début, tumultueux dans son cours moins, et il a fini par se calmer dans les plaines du Yuan. Donc c'est comme ça la conférence. Et donc il a bien résumé. Donc c'est pourquoi quand vous invitez Seydou Diop pour lui dire de parler du diabète, il va parler pendant toute la journée, surtout que Issa l'a titillé sur plusieurs points. Il a fait un excellent résumé, une critique de l'ouvrage, et c'est très bien ici. Vraiment, Seydou Diop, il doit le féliciter parce qu'il a pris la relève du professeur Moustapha Sow. Et puis en Wolof, on dit Kouyo Koulia Wani. Mais vraiment, il a fait pousser la lutte pour le diabète avec l'APEDIA. Je salue Bay Omar, qui est là aussi, qui dans son association, qui fait un travail très important. Parce qu'on ne soigne pas ces maladies rien qu'avec les médicaments. Rien qu'avec les médicaments. Et je salue Ida, c'est une CRR. Et c'est une CRR qui me rappelle aussi une histoire de CRR. J'étais jeune interne, et puis j'étais un malade qui a un CRR qui est obèse, qui est diabétique, qui a fait un infarctus. Et au moment de la sortie, je viens lui faire son conseil de régime. Alors, je dis, il m'a dit, tchère. Il m'a dit, tchère. Je dis, tchère. Je dis, d'où m'a Non, il m'a cloué le bec. J'étais là, parce que moi, je disais, bon, baille le tchère, il me dit, de mon cobaye. Tu peux tout dire, mais le tchère, je ne vais pas. C'est depuis lors que j'ai appris à modérer mon langage, en disant que voilà ce qu'il faut. Donc, c'est l'approche très pédagogique qu'il faut pour ces malades, parce que c'est important. Parce que je dis toujours que la médecine n'est plus verticale. Avant, il y avait Dieu, le médecin, et le malade en dessous. La médecine, c'est horizontal, c'est un consensus. On parle avec le malade, on lui explique, et c'est lui, à lui de prendre ses choix. On essaie de convaincre, Mais malheureusement, ce qui se passe, ce que Mme Koli déplore tout à l'heure, c'est que les médecins n'ont pas très souvent le temps. Nous ne sommes pas comme en France où on voit 5 ou 10 malades dans la matinée et puis c'est bon. Vous avez une consultation où 30 ou 40 personnes vous attendent. Les gens sont pressés. Il y a des urgences. Il y a pas mal de choses. Et il y a aussi l'encadrement des étudiants, des trucs comme ça. Si bien que, et les étudiants, c'est aussi un gros problème. Parce qu'avant, on était. Un étudiant avait 2 ou 3 lits. Maintenant, il y a 10 étudiants sur un lit. Et donc, ça, pose problème. Et si tu dois dire que tu dois former les médecins de demain, tu dois avoir la rigueur, la compétence, la science. Des fois, tu oublies l'empathie parce que tu es fixé sur des objectifs qui fait que très souvent, le médecin paraît austère et tout comme, alors qu'on devait pouvoir. Et on dit très souvent en médecine, sans confiance, pas de confidence. Et sans confidence, pas de médecine possible. Donc, on doit pouvoir parler aux malades, avoir le temps de discuter avec eux pour qu'ils comprennent la maladie parce que c'est le soubassement du traitement. Je m'excuse d'être très long, mais je voudrais surtout terminer par Issa. Issa, on a vécu des périodes ensemble, parce que le professeur Wan est mon maître,
notre maître à nous tous. Et il a été membre de mon jury de thèse en décembre 84. On a eu par la suite à gérer sa maladie et sa fin de vie. Mais Issa, c'est pas le médecin, c'est pas le professeur, c'est pas le fils, c'est le talibé. C'est le talibé de son père. Vraiment, Tarbiou Papa, vraiment. Et ça, je dis très souvent, on peut tout empêcher aux médecins de voir dans une famille, mais ce qu'il voit et ce qu'il ressent, il peut le savoir. Il sait qui s'occupe vraiment et il s'est vraiment occupé de son papa. Et je sais que de là où il est, il vous regarde, il vous bénit. J'en suis persuadé, c'est ma conviction intime. Et je sais que vous avez beaucoup fait pour votre papa et Dieu vous le rendra, Inch'Allah. Ok, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup aussi de m'avoir donné la parole. Je ne m'attendais pas. Donc, c'est très difficile de parler après mes maîtres que je salue tous ici, le professeur Seyd Nourou, le professeur Issaka Diallo, le professeur Ba, des gens qui nous ont enseignés et qui nous ont appris aussi l'amour du métier. Et je suis heureux aussi de voir aussi des confrères, des amis avec qui j'ai partagé le cursus, le professeur Antetal et les jeunes jeunes qui sont là et qui sont aussi imbus par la même chose. C'est vraiment douloureux un peu aussi de parler de ça parce que c'est envoyé par une certaine émotion par rapport professeur Issa Wall et par rapport à son père. Et je dirais que Issa, c'est le fils de mon père. Et tout le monde sait aussi les liens qui m'unissent, qui m'unissent avec le professeur Wall. Pour revenir aussi à son ouvrage, je m'y retrouve parfaitement. C'est comme si, dans les sujets qu'il a abordés, mon cas personnel, il fait tout une grande cure. Je suis diabétique depuis 17 ans. Et pour moi aussi, ça a été une surprise. Et ça a été difficile à gérer. Parce que j'étais médecin praticien de santé publique, médecin de district pendant 8 ans, médecin chef de région pendant 5 ans, assistant à l'université, enseignant. Et je démarre le diabète par un coma diabétique. Et qui m'a envoyé pendant une semaine en réanimation. Et quand je suis sorti, j'étais abattu, déprimé et scellé. Pour moi, c'était un aveu d'échec. Un médecin qui tombe en coma diabétique. Et c'était une honte. Véritablement, je ne savais pas spécifier. Et dans la même foulée aussi, et dans le même mois, on a perdu deux de nos éminents professeurs en médecine qui sont morts de diabète. Et deux médecins de district qui sont morts de diabète. Ça a venu aussi encore augmenter ma déprime. Et j'avoue que ça a été véritablement difficile. Et en l'espace, j'ai perdu 14 kilos. Et j'étais devenu méconnaissable. Il m'a fallu véritablement une remise en question. Et par là même, quand j'ai lu les témoins que vous avez reçus et le professeur ce qu'il nous a dit, à un moment donné, je me suis dit, cette maladie, il faut la démystifier, il faut vivre. Et je vis avec, depuis 17 ans, sans aucune anomalie. Donc, c'est lié de dire que tout est possible, il faut y croire. Et le professeur aussi nous a encouragés. Et c'est vrai qu'au début, chez moi, j'avais des difficultés, même par rapport au régime. Parce que je me disais qu'un médecin qui doit apprendre aux gens ce qu'il faut faire et qui voilà qui est un sujet de laboratoire, ça pose problème. Donc ceci dit, je félicite le professeur Issa Wall par rapport à ce qu'il a fait. Je me retrouve parfaitement. Je le remercie aussi et le félicite parce que c'est mon jeune frère. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Quand j'étais étudiant, j'étais son grand, il venait me voir. Et en sixième année, il faisait la première année.
On s'est toujours trouvé assistant au département de médecine préventive. On a fait des voyages ensemble. Et son premier poste, il était médecin adjoint au district de Kaffrine. Et j'étais médecin chef du district de Koungheul. Donc, on était ensemble. On a fait le parcours ensemble. Et à l'ISEL aussi, on s'est retrouvés. Au niveau du ministère, il a été aussi mon conseiller. J'étais le directeur de la planification et dans tous les documents que je faisais en matière de planification, je l'associais et il a marqué d'une empreinte indébile tous les documents au niveau du ministère. Quand vous voyez le plan national de développement sanitaire, il y a sa marque. Quand vous voyez le plan national de suivi et évaluation, il y a la marque de Issa Wone. Donc ceci ne m'étonne pas de lui, parce qu'il est dit, c'est le fils de mon père. Le professeur Wone, c'est mon père. Le professeur Wone, c'est mon maître. Le professeur Wone, c'est mon marabout. C'est lui qui m'a recruté en tant qu'assistant. Et c'est lui qui m'a inculqué véritablement l'intérêt pour la santé publique. Et j'ai commencé avec lui et j'ai terminé avec l'Université de Bambay, où j'ai pris ma retraite en tant qu'enseignant en santé publique. J'ai dit aussi que c'est mon marabout, parce que j'ai eu à Dakar, quand je suis revenu à Dakar, 4 de mes enfants sont nés à Dakar. Et c'est le professeur Wone qui les a baptisés. Donc, vous voyez les liens qui nous unissaient. Et mon dernier fils porte le nom de professeur Wone. Il a actuellement 11 ans. Et j'ai toujours cette image. Il est venu me voir quand je lui dis que c'est votre fils, c'est votre homonyme. Il a préparé une valise. Il y avait une forte averse. Il y a une de ses filles qui est là. Il a bravé les intempéries, il est venu tremper dans l'eau pour voir son homonyme. C'est vous dire les liens qui nous unissent. Et encore, j'ai perdu un fils. C'est le professeur Wone qui l'a prié et c'est le professeur Wone qui l'a accompagné dans sa tombe. Donc c'est pour moi vraiment une véritable émotion de prendre la parole, de parler ici, parce qu'en se référant au vieux, au professeur Wone, c'est un père pour moi, c'est un maître. Et je souhaite que le Diombo l'accueille dans son paradis éternel et que sa descendance véritablement suive le même cursus. Merci, c'est plein d'émotions. Je voulais beaucoup dire des choses, mais je m'en laisse là. Merci beaucoup. Je voudrais invoquer le privilège pour rester assis, s'il vous plaît. Ce livre, j'ai eu le privilège de le lire quand il était encore à l'ébauche. Et pour moi, c'est un grand signe de confiance, parce que je ne suis ni littéraire ni médecin. Les gens qui écrivent, et je parle d'expérience, sont souvent très susceptibles quand il s'agit de les reprendre, parce qu'ils oublient souvent qu'un livre, ce n'est pas seulement des idées, c'est aussi des mots et des phrases. Et ils n'aiment pas souvent qu'on revienne sur les mots ou sur des phrases. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je me souviens d'un de mes livres pour lequel j'ai eu un éditeur particulièrement attentif qui m'a fait venir à Paris pour le lire avec moi, qui m'a demandé de supprimer un chapitre. J'avais l'impression qu'il me coupait un bras. Mais j'ai compris à la fin qu'il avait bien raison, qu'il y avait des redondances et des répétitions. Ce livre, je l'ai lu avec plaisir et peut-être pas de formation professionnelle. J'y ai d'abord vu un livre d'histoire et de sociologie. Il y a des situations sociales, sociologiques qui sont décrites. Il y a des portraits émouvants, quelquefois assez, distrayants, de gens, à la fois de médecins et de patients. J'avoue que j'aurais voulu y trouver le portrait d'un médecin qui était maître de sa science et de ses livres, qui était un gourmet des mets, des bons mets, je n'insisterai pas pour ne pas faire plaisir quelqu'un, mais aussi un gourmet des mots qui a enrichi la langue française et qui, je rassure madame, avait une excellente maîtrise de la langue poulard. Évidemment, peut-être que ça lui a demandé certainement beaucoup trop de choses à dire
et sa pudeur l'a empêché d'aller plus loin. Donc pour moi, ce livre est d'abord un livre de sociologie et d'histoire. Et les histoires qu'il raconte ne nous sortent pas du sujet, parce qu'il s'agit de personnes qui sont intimement liées à la maladie et qui nous convainquent qu'un homme, ce n'est pas seulement un robot. C'est de chair et de sang, qu'il a une vie, qu'il a une famille, qu'il a une culture. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que, évidemment, c'est un livre de médecin. Mais c'est un médecin, non pas de bureau, mais un médecin sur le terrain. Un médecin qui confronte sa propre expérience à celle qu'il a acquise dans ses fonctions. Je ne suis pas médecin, mais pour moi, un médecin, c'est d'abord celui qui écoute avant de parler. C'est celui qui, avant de faire des recommandations, écoute son patient. J'ai connu Dr Fiacoli, certainement avant Mme Anicoli, parce qu'avant d'être à Bambé, il a été à Matam. Il était chef de supervision de ce médecin à 200 km à la ronde. Et à cette époque, le médecin était médecin, il était infirmier, il était brancardier, il était conseiller familial, il était aide santé. Toutes ces fonctions, il les assumait. Et ce type de vocation, aujourd'hui, est difficile à remplir. Mais je pense quand même que c'est une des raisons pour lesquelles, quelquefois, on est un peu nostalgique sur cette époque. J'ai, personnellement, confiance en Issa parce que c'est aussi mon médecin. C'est celui que j'appelle quand j'ai un petit bobo et quand on est très dans l'aide de la fraîche, on a beau tous les matins serrer un boulon et mettre un peu d'huile, il y a toujours un petit crack. Et je sais quand je l'appelle, ce n'est pas une ordonnance qu'il me donne, c'est une visite qu'il me rend. Et ça, c'est pour moi le plus important. Il m'écoute. Et en général, il trouve quelquefois que je me suis énervé pour rien, mais ce que j'attends de lui, justement, c'est d'écouter là. Et c'est pour cela que je l'en remercie. Je voulais également dire que Issa, c'est aussi mon beau-fils. Et quand ceux qui ont pour fonction de renouveler ma garde-robe traînent un peu les pieds, je n'attaque personne en particulier, même pas quelqu'un qui est en bonnet, noir. Issa est là, il m'a habillé, il m'a chaussé et son grand frère m'a coiffé. Donc pour rien au monde, je ne dirai du mal de lui. Et je voudrais, pour terminer, observer quand même qu'à cette tribune, il y a 3 diabétiques et 2 covidés. Et le professeur Seynouri Diop a un peu améliorer la réputation du diabète, mais je voulais que l'imam Seynouri Diop maudisse le diabète et le Covid avant de partir. Désolé, parce que pour mille et une raisons, j'aurais dû être là le premier. J'aurais simplement pas dû commencer par faire un petit tour à l'hôpital. Je salue mes papas, mes oncles, mes maîtres, mes grands frères, toute l'audience, et je m'excuse d'être venu en retard, pourquoi je voulais garder profil bas, surtout que j'ai eu l'occasion de discuter avec Issa à propos de son ouvrage. Il m'a fait l'insigne honneur de signer la postface. Mais puisque je suis là et que j'ai entendu ce que les autres ont dit, je vais donc plagier gentiment les uns et les autres pour donner mon impression. C'est une façon de dire que, franchement, tout ce qui a été dit pour moi reflète l'ouvrage d'Issa. Tout ce qui a été dit sur Issa raconte ce qu'est réellement Issa. Issa, c'est mon petit frère, mais pas que, puisque nous avons partagé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, évidemment, quand on parle de Issa, on ne peut pas ne pas parler de la famille en général. C'est évidemment parler aussi de notre maître et papa, le professeur Ibrahim Owen,
J'ai dit que c'est l'épigone du professeur Ibrahim Owen. J'ai un peu l'impression que lorsqu'on aura fini, chacun d'entre nous, de compter ses qualités, on sera peut-être à constater que, ben, dans le meilleur des cas, on en a pris une des parties, mais jamais tout. Tant il était magistral, comme l'a montré, vous l'ont dit les uns et les autres. J'ai parlé d'Issa dans la postface sur ce qu'il a été pendant longtemps, parce que je crois que la médecine a une façon de présenter les choses, mais pour moi, ce n'est pas forcément la bonne médecine, et ce n'est simplement pas d'ailleurs la médecine. Quand on dit la médecine, c'est du biomédical, c'est qu'on a oublié ce qu'a toujours été la médecine, ce que doit être la médecine. C'est simplement une perversion de la médecine, de ce qu'on pense être le pouvoir de la science et de la technique sur l'être humain, mais on sait que ça n'a jamais été ainsi. Nous sommes faits, certes, de matière, mais surtout de psyché. Je crois que tout le monde l'a dit. Tous les malades du monde, et ce que je m'évertue à rappeler à nos étudiants, ne se souviendront pas de votre aptitude technique, ils ne savent d'ailleurs pas en juger, mais se souviendront de la gentillesse de l'humanité qui est en vous. Et ça, 20, 30, 40 ans après, ils vous arrêteront pour vous dire « Mais docteur, souviens-toi d'eux », ils vous béniront. J'imagine que s'ils ne vous ont pas arrêté, parce qu'ils vous ont maudit aussi, ils vous béniront parce que vous avez été le symbole de cette humanité-là. Et je pense que ça a été un combat de longue haleine. Je l'ai dit, Issa, ça n'a pas été que l'excellent médecin et praticien. Nous avons vécu ensemble à la faculté de médecine. On nous a parfois qualifiés de gauchistes parce que nous animions l'amicale des étudiants en médecine. Dieu sait que ça n'a jamais été le cas en réalité. Ce sont toujours été des réflexions très poussées sur ce que doit être l'art de la médecine. Tiens, Daouda est là, tu peux en témoigner. Et justement, l'idée c'était de dire, oui, on nous apprend, on nous enseigne la biomédecine, mais qu'en est-il de cette réflexion sur l'humain qui reste la finalité de notre art? Et Issa s'en souvient, les premiers journaux de la faculté de médecine, de l'amicale Daouda et tous les autres s'en souviennent, c'était des réflexions sur ça. La question même, ou les questions pédagogiques, ce n'était jamais en réalité des grèves sur « donnez-nous à manger, à boire » et peut-être encore moins d'ailleurs, comme on le faisait à l'époque de façon presque caricaturale, des sortes de grandes déclarations sur la guerre en Érythrée ou sur l'Union soviétique qui a envahi qui que ce soit. C'était d'ailleurs sur mais comment on doit enseigner, comment permettre aux étudiants de n'être pas dans cette répétition de ce petit sacisme, mais plutôt pour comprendre ce qu'est la médecine et surtout comprendre l'être humain. Je crois que ce combat n'est toujours pas gagné, parce que même si on a tous conscience qu'il faut enseigner les sciences humaines et sociales, ça c'est plus que ma conviction, c'est de la broderie qui ne nous a pas tellement mené loin. Le médecin reste dans cette fascination de la technique et de la science, à penser que quand tu es grand docteur, quand tu es chirurgien, ben, tu as fait ton travail, tu coupes la jambe ou tu redresses une artère, ça y est, tu as fait ton travail. Et on oublie ce qu'est la souffrance. Et la souffrance n'a absolument rien à voir avec j'ai mal ou j'ai pas mal. Et pour moi, si je rappelle tout ça, c'est pour dire simplement que quand j'ai lu le livre d'Issa, avant même de l'avoir lu, lorsqu'Issa est venu me voir il y a peut-être un an ou deux, pour me dire, tiens, on m'a parlé du diabète, je suis devenu diabétique, et il m'a parlé des différentes sensations qu'il a eues. Évidemment, c'est d'abord la peur, la souffrance, la finitude. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça n'est fini peut-être. Et puis, il a pu faire son deuil, il a pu se redresser, et il a pu dire, mais tiens, si moi, professeur de médecine, ça m'est arrivé, qu'en est-il de celui qui? Si moi, professeur de médecine, qui reste quand même un privilégié, qui peut appeler ses amis, ses collègues pour être pris en charge du mieux que possible, qu'en est-il des autres? Et pour moi, cette sorte de catharsis était extraordinaire parce que tu as permis de ramener les choses à ce qu'elles sont. Toi, non plus professeur Issa, non plus grand docteur Issa, être humain Issa, comme nous tous d'ailleurs, a pu se redresser et pour comprendre qu'il y a des messages. Et pour moi, d'ailleurs, oui, il y a des choses formidables que tu as faites pour les patients, pour les populations dans cet ouvrage.
Et ce que pour moi est encore plus important, c'est nous, les soignants. C'est-à-dire que tu nous as permis de comprendre que nous devons cesser de croire que de donner une ordonnance, comme a dit mon maître et grand frère le professeur Ba, ou d'être très dirigiste ne nous mène pas très loin. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour moi comme ça que nous devons transmettre les messages. Transmettre les messages, c'est de se rappeler que la médecine, ça s'adresse d'abord à un être humain. Et quand on dit ça, on doit se rappeler qu'il y a une singularité de la relation de soins. Nous ne parlons pas à des généralités. Chacun d'entre nous est un être humain singulier. Il faut savoir se mettre à son niveau, à sa hauteur. Et en même temps, il y a un compagnonnage que nous devons nous tisser pour permettre à cet être humain, quelqu'un l'a dit, que nous regardons de haut, qui est dans la souffrance, qui nous demande et à qui nous devons donner, que ce n'est pas ce qu'on attend de nous, c'est de tisser une relation égalitaire, lui rendre sa dignité et cette autonomie, et que le compagnonnage entre le soignant et le soigné, c'est un compagnonnage d'égal à égal, c'est une alliance. Et je pense que quiconque a compris ça, et en ayant lu le livre de Issa, je parle de nous les médecins, se sera enrichi, peut-être beaucoup plus que beaucoup de traités de philosophie qui parlent de l'éthique et d'autres considérations. Parce que je suis d'accord que la socio-anthropologie doit être au cœur de la médecine, mais je pense que c'est fondamental de le raconter en des termes simples, et surtout à partir du vécu. Donc pour me résumer, pour moi ce livre est un livre majeur. Je le disais à Awa tout à l'heure, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à parler de ces expériences vécues. Et si je devais moi faire une suggestion aujourd'hui au niveau de nos institutions académiques, c'est encore une fois de comprendre que les sciences humaines et sociales, c'est la conscience de notre biomédecine. Elle ne peut pas être dissociée de la biomédecine. Nous devons l'enseigner, ou plutôt, nous devons l'implémenter de la première à la dernière année de médecine, et au-delà, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre que notre humanité ne doit jamais nous quitter si nous voulons être bons médecins. Et pour moi, des livres comme ça, partagés avec les étudiants, avec les apprenants et avec les enseignants, vont nous enrichir beaucoup plus, encore une fois, qu'on ne peut l'imaginer. Donc vraiment, merci Issa, bravo. Félicitations et j'espère surtout encore une fois que ce livre va avoir l'audience qu'il mérite parce que ça va nous servir à nous tous. Merci. Merci beaucoup professeur Kan. Alors nous allons demander peut-être à nos jeunes hôtesses qui sont nos filles, hein, on a tout fait en famille, de demander les noms de ceux qui veulent prendre la parole et on les appellera à la barre. Je profite de cet instant de flottement. Demandez à qui veut prendre la parole. Vous les notez sur une feuille. De cet instant de flottement, pour moi aussi m'acquitter d'un devoir de reconnaissance envers mon jeune frère Issa. Parce que, comme je disais, j'étais dans la première cohorte du Covid. Et dans le brouillard dans lequel je me trouvais, je me rappelle d'une phrase qu'il a dite et qui m'a peut-être sauvé la vie, parce que les médecins étaient venus en train d'essayer de m'embrigader pour m'emmener en réanimation, me mettre plein de tuyaux. Et il leur a dit, j'ai entendu, j'étais dans mon brouillard, mon frère n'ira pas en réanimation. Et parce que mon père nous avait dit que ses deux enfants étaient partis dans l'autre monde par la réanimation. Et il savait que ça aurait fait un déclic dans ma tête. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai senti que quelque chose venait de se produire pour me sortir du brouillard. Et j'aurai encore peut-être deux autres phrases à dire à ce sujet. Qu'il est talibé de son père, je dirais qu'il est la copie. Il est sur les pas de son père. L'autre versant que les gens ne voient pas, c'est que pendant des années, il a été le barbier de son père. Et que ça rapproche. Chirurgien barbier, ça rapproche de faire la barbe de son père pendant des années. Vous avez un instant de complicité, de parole irremplaçable. Je pense que tout ça a aidé. Il a aussi occupé la chaire de thé, l'Ataya, dont j'étais le fondateur. Mais j'ai fini par avoir plusieurs promotions après. Alors, qui veut la parole, on avait dit?
Assalamu alaikum. Je vais prendre ici un gros risque de parler devant des sachants, des sommités, mais je vais le faire quand même. Avant tout d'abord, je rends grâce à Allah pour ce projet qui vient d'être achevé. Et je vais dire félicitations, cher maître. Il fallait le faire, tu l'as fait. Donc, je viens ici partager mes impressions. Pour ce livre, j'ai eu à lire au moins deux fois. C'est pour moi une occasion de féliciter l'auteur, le maître, devrais-je dire, pour le lancement de ce premier bébé littéraire. Tout en priant pour une belle réussite et pour la suite pour d'autres, Inch'Allah. Ce fut pour moi une aventure durant laquelle j'ai commencé un changement de comportement au sein de ma famille, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Je vais raconter juste deux anecdotes. J'ai eu à hospitaliser à Ziguinchor ma sœur, et quand on est venu, dans la précipitation, les gens ont voulu lui monter une perfusion. Et j'ai dit au médecin, le jeune médecin, est-ce que vous lui avez pris les constantes? Il me dit, ça n'a pas encore été fait. Je dis non. On est venu directement, on nous a demandé d'aller dans la salle à côté et on a voulu lui monter une perfusion. Donc ça, c'est pour moi un début de changement de comportement. L'autre, c'est au niveau de mon bureau et c'est pour en même temps enchaîner sur le chapitre qui m'a le plus marqué dans le livre. C'est le chapitre 4, le déni. Et je partage avec une collègue âgée de 58 ans, diabétique, mais qui refuse de s'approvoiser de son diabète. Elle refuse catégoriquement. À la limite même, elle ne le dit pas, mais elle s'en cache. Et un jour, je l'ai vue faire une petite crise, peut-être d'hypoglycémie, et les gens pensaient que c'était à cause de la chaleur. Il faisait très chaud au bureau, la climatisation était off. Et très vite, je suis allée chercher dans mon sac un petit bonbon à la menthe. Et je lui ai glissé ça dans la bouche et elle a commencé à reprendre ses esprits. Donc, c'est pour moi le moment de dire que le livre m'a changé, mais aussi a changé mon entourage. Il l'a dit tantôt, le sucre diabétique, moi, je ne le dis plus. Et je refuse même quand je vais dans les grandes surfaces ou bien dans les restaurants, quand j'entends les serveuses ou en tout cas les bonnes dames dire sucre diabétique, je leur dis, ne dites pas cela. Il faut dire édulcorant. Bref, je dis en fait, je suis tout à fait ravie de cette cérémonie et je suis plutôt ravie par la présence de la socio-anthropologue que je salue au passage pour ma casquette de sociologue que je vais essayer de porter pour dire que c'est une maladie pour moi dans laquelle on doit faire preuve d'une approche holistique, c'est-à-dire faire preuve d'émique et d'éthique. Et essayer de comprendre l'entourage de la personne, de comprendre la personne et savoir pourquoi elle n'en parle pas autour d'elle, pourquoi elle se cache pour prendre ses édulcorants, pour se piquer, etc. Et je vais terminer pour dire que le prochain ouvrage, j'aimerais bien que ça soit le diabète, mythe et réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je peux être téméraire, mais quand même, être téméraire au point de parler après toutes ces sommités qu'on a entendues ici, c'est pourquoi je me cachais tranquillement, mais je suis confrontée à un double dilemme. Je ne peux pas venir à la cérémonie de présentation du livre du professeur Issa Won et ne rien dire. Car si aujourd'hui, tout le monde a témoigné, à plus forte raison, sa famille au premier degré, tellement les liens sont inextricables entre la famille de Mam Ibrahim Awon et la famille de Sireli. Donc c'est avec cette double casquette, j'ai pris beaucoup de notes, mais comme le sait très bien un de mes oncles préférés, je préfère écrire et en son temps, je ferai ce qu'il sied
tant il y a des informations, tant il y a des messages forts que Issa a véhiculé dans son livre. Avant d'aller plus loin, monsieur le modérateur, je suis prise au dépourvu. Permettez-moi de saluer tous les maîtres qui sont ici présents dans cette salle, au présidium. Mon maître est Imam Pasteur Seydou Nour Diop, mon grand-père Ablaye Elimane Kan, mes deux oncles Issa Won et Amadou Tidiane Won dit Baba, mais bien sûr mon frère également Baye Oumar Gueye. Permettez-moi également de dire un peu mon impression sur cet ouvrage, mais comme je le dis, je suis en train d'écrire un peu ce que je pense et Inch'Allah, je le publierai. C'est un ouvrage écrit par un médecin, mais on a l'impression que c'est un philosophe ou bien un socio-anthropologue qui l'a écrit et qui permet de revisiter le diabète plus qu'une maladie. Le diabète, si on peut le caractériser, est un fait social, tellement les implications sont nombreuses quand le diagnostic de diabète tombe chez un patient la première fois, le déni, mais également le vécu de ce patient diabétique. Il y a tellement de choses à dire. Et Issa, dans sa nature, Issa, c'est quelqu'un de très pédagogue, mais également très simple et très humble. Il a su nous restituer l'essentiel du vécu du patient diabétique avec des mots simples. Mais son discours, son écrit est également empreint de beaucoup d'humanisme et ça également, c'est Issa Won. Tout à l'heure, Kaou Baba l'a dit, c'est peut-être un des dignes héritiers, bien sûr, avec les autres de Mam Ibrahima. Il a pris toutes ses qualités, mais il a également pris toutes les qualités de Mam Fally et vraiment en témoigne l'assistance, la qualité des personnes qui sont venues répondre à son invitation et tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui pour témoigner. Il y a également beaucoup d'émotions, vous l'avez senti. C'est pourquoi je ne veux pas continuer parce que j'ai vu tout à l'heure des larmes tomber et ça risque de continuer. Souhaitons tout simplement que ceci ne soit que le premier d'une série d'ouvrages puisqu'on connaît un peu la belle plume de Issa Won qu'il a hérité également, si on peut dire hérité, de son grand frère Kaou Baba dont les biais nous ravissent tous les jours. Et on attend avec beaucoup, beaucoup d'espoir, ou en tout cas avec beaucoup d'impatience, les autres livres qui viendront sur les autres problèmes de santé, mais également des problèmes purement sociaux, sociologiques et anthropologiques sur la pratique médicale. L'a rappelé tout à l'heure notre maître, professeur Abdoul Kan, la médecine, c'est avant tout l'humanisme. Et je pense que nous avons tous à apprendre aujourd'hui de ce livre de Issa Won. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je me suis convoqué moi-même à la barre. Permettez que je reste ici, monsieur le modérateur. Je voudrais vraiment saluer le professeur Won, la générosité du professeur Won en produisant cet ouvrage. C'est d'abord cela, cette qualité de partage qu'on lui connaît et sur laquelle je voudrais moi particulièrement m'étendre un tout petit peu. Je suis avec lui et quelques autres personnes initiateurs d'un regroupement familial, si on veut, qui utilise un peu les nouvelles technologies, en particulier le WhatsApp, en particulier pour pouvoir davantage rassembler les membres de la famille. De la famille Alpha Ciré, comme on dit, à laquelle il appartient, à laquelle beaucoup de gens qui sont ici aussi font partie. Et dans ce regroupement a donné lieu à une idée géniale, qui est celle de prendre une initiative en matière de santé familiale. Et Issa est le principal penseur de cette initiative, le principal également animateur de cette initiative que nous avons appelée FA Santé. Famille Alpha Ciré pour la santé. Et je retrouve dans ce qu'il dit cette volonté de lier la parole à l'acte, n'est-ce pas, à chaque moment de sa vie quelque part. Faire en sorte que
ce qui est dit dans les livres puisse se traduire également dans la vie de tout le monde, dans la vie en particulier en améliorant la santé des membres de sa famille, des parents et des alliés. C'est un peu ça l'initiative Fa Santé et je souhaiterais vraiment le remercier au nom de toute la famille pour cela parce que c'est une générosité fondamentale. Penser à la santé des gens au départ, penser également à la dimension préventive de la santé, faire en sorte que les gens puissent se soigner avec les moyens qui sont les leurs, c'est également faire preuve de générosité et de largesse. Je ne peux pas comme, terminer sans bien entendu, comme tout le monde ici, dire le ressenti, évoquer la figure tutélaire de notre père Ibrahima Wone, que chacun de nous a admiré, dont nous avons bu littéralement les paroles, sa maîtrise de la langue française, sa maîtrise également des sciences islamiques. J'ai le souvenir de l'avoir conduit une fois de chez lui à un endroit où il m'avait demandé de l'amener et il m'avait raconté comment médecin déjà, médecin-chef dans une région du Sénégal, il a été médecin-chef dans plusieurs, il s'était mis à reprendre son apprentissage du Coran, à le mémoriser, à vouloir le mémoriser. Il ne l'a pas fait, il avait déjà tenté plus jeune, mais on l'avait arraché de l'école coranique pour l'amener dans l'école française. Heureusement, on a eu un professeur Ibrahima Wone. Mais par la suite, il a essayé de mémoriser le Coran à un âge qui était avancé. Et il m'avait dit comment il s'y était pris en étant systématique, n'est-ce pas, dans cette tâche qui était difficile, mais qu'il a menée à bout. Et ce qui s'est passé était extraordinaire, c'est que quand il a terminé, le maître coranique qu'il avait eu et qui était désespéré de le voir quitter le Dara parce que son frère voulait l'amener dans l'école, à l'école française, ce maître coranique est venu en tant que malade lui rendre visite. Et il lui a demandé de l'écouter, réciter le Coran pour pouvoir certifier qu'il l'avait mémorisé, qu'il l'avait maîtrisé. Et ce maître coranique, à l'issue de cette audition, évidemment après avoir donné, n'est-ce pas, son approbation qu'il avait réussi à la mémorisation du Coran, s'était écrié en disant, mais on peut vouloir quelque chose, ou mais on peut ne pas vouloir quelque chose alors que c'est son bien. Tu vois, Ibrahima, quand ton frère est venu te chercher de mon Dara, j'étais l'homme le plus malheureux de la terre. Voici qu'aujourd'hui, je viens t'entendre réciter le Coran que tu as mémorisé et plus m'avoir soigné. C'était extraordinaire comme témoignage qu'il faisait. Et mon père, Ibrahima Wone, est un homme extraordinaire dont on se souviendra toute notre existence durant. Et je pense qu'Ibrahima, que Issa, Baba et tout le monde, tous les autres aussi, sont méritants de continuer à vouloir marcher sur ses pas, la barre étant très haute, mais il faut continuer d'essayer. Je te remercie, Issa. Continue dans ce que tu es, ce que tu rends service au-delà de ta famille, à tout le monde. Merci beaucoup. Je ne remercie pas du tout. C'est pour le... Ah d'accord. Je ne veux pas être dans vos souvenirs. Je ne remercie pas du tout mon maître, le professeur Seydou Nourou Diop, qui est à l'origine de ce kidnapping intellectuel. Si. Je voudrais aussi, après Fatima Tali, quand Fatima Tali a parlé, Touré a parlé. C'était peut-être pas nécessaire, mais je voudrais aussi rendre hommage à mes maîtres qui sont tous présents ici et qui constituent des exemples pour nous. Entre autres, je considère que les maîtres les plus jeunes, c'est les professeurs Abdul Khan, le professeur Issa Wone, qui constituent pour nous, Fatima Tali et moi, des exemples qu'on essaie de suivre dans une autre voie que la voie médicale. Et nous sommes admiratifs de ces personnes qui sont là et qui sont dans la philosophie, dans l'anthropologie. Et je disais à Fatima Tali, s'il y a une chose que j'aimerais faire, c'est de la socio-anthropologie en dehors de la médecine. Donc je suis toute admirative de vous, Madame John,
parce que c'est une autre façon de voir le malade que signe diagnostic traitement, avec sa vision beaucoup plus holistique, son vécu, son passé et son avenir et son environnement, qui fait que nous sommes tous jetés en pâture, comme l'a dit Annie Colli, parce que tout simplement cette facette de l'individu n'est pas prise en compte dans notre formation. Et ce livre de Issa, que j'avoue ne pas voir lui, c'est pour ça que je ne voulais pas parler, et après avoir entendu toutes ces interventions, constitue cette facette de la vie du patient. Et je suis admirative. Je suis à moitié collatérale, hein, parente. Mais je voudrais aussi parler dans un autre volet. C'est des réunions comme ça, d'intellectuels qui titillent un peu nos pensées. Ces réunions, je le disais aussi à Fadma Tali, je suis admirative de l'ethnie auquel vous appartenez. Il y a énormément d'intellectuels. Tout à l'heure, je n'arrête pas de poser des questions au professeur Kane, où je vois depuis des générations des gens qui écrivent, des gens qui réfléchissent, des philosophes, des cardiologues qui deviennent philosophes, des gens de santé publique qui deviennent sociologues. C'est des gens qui vont au-delà de là où on les attend. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment au Fouta pour qu'il y ait une foison comme ça d'intellectuels? Je pense qu'il faut que je fasse de la sociologie pour essayer de comprendre. Voilà le peu que je voulais en dire sur l'ouvrage, mais je le lirai et je laisserai Fatma Tali faire son commentaire. Je sais qu'elle va encore m'embrader dans ses X mille projets. Ça, c'est la caractéristique aussi des Foutanqués. Ils sont dans toutes choses pour faire avancer le monde avec un fond d'éthique extraordinaire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je rends grâce à Allah de nous avoir réunis ici. Je remercie le bon Dieu de nous avoir fait naître ce bébé. Professeur Wan, c'est quelqu'un qui a toujours voulu écrire. Moi, à mon sens, je me suis dit qu'il aurait pu être philosophe ou écrivain. Tellement il lit, il écrit. Depuis que je le connais, il écrit même des poèmes qu'il partage, que j'aurai l'occasion de partager un jour avec vous. Mais aujourd'hui, je viens lire un témoignage qui a été envoyé par mon frère, notre frère aîné, qui est en déplacement, qui aurait bien voulu être là et qui m'a chargé de lire ce témoignage à son nom et au nom de toute la famille. Je le cite. Notre père avait un énorme souhait, pousser un de ses enfants à suivre des études de médecine. Cela ne s'est pas réalisé directement, mais deux de ses filles ont épousé des médecins. Et un de ses petits-fils est aujourd'hui docteur. Avait-il ses raisons? Certainement. Mais avec le professeur Issa Wan et le docteur Mohamedou Traoré, nous avons compris l'importance d'avoir un professionnel à ses côtés et qui puisse être disponible de jour comme de nuit pour soigner, rassurer, soulager et surtout réconforter. Issa a été là pour notre mère et sans doute ce qui lui a permis de vivre avec le diabète pendant près de 35-40 ans. Merci. Et merci encore pour tout l'amour et toute l'attention portée à notre chère maman. Et prenant la plume pour partager ta longue et riche expérience de la maladie, tu soignes, tu réconfortes, tu assistes tes malades et les familles. Communiquer n'est peut-être pas un point fort chez tous les professionnels de la santé. Certains gagneraient encore plus encore dans ce domaine en parlant aux malades et en éduquant les familles. En publiant cet ouvrage, professeur Wan, tu aides les familles, les parents et d'une manière plus générale
les populations à connaître et à vivre avec cette maladie qu'est le diabète. Bonne suite de carrière au service des populations et sincère remerciement pour tout ce que toi et tes collègues vous faites au quotidien. Ce que je peux ajouter, c'est que le professeur Issa Wan est un humain. C'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est quelqu'un qui sait partager et c'est quelqu'un qui sait donner au plus profond de lui-même. Et nous tenons à prier Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une très longue vie aux côtés de sa famille, mais aux côtés de ses enfants, aux côtés de ses amis et de ses collègues médecins. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci. Alors, je me présente, c'est Mounina Khan. Je suis la tante de Issa, donc la cousine de sa maman, notre chère et regrettée Fatouli, de ma tante Gourgoul Djiba, Badien Djiba. Alors, j'ai une question, mais surtout, je voudrais rendre hommage. Avant tout, Issa, je te transmets les bénédictions, les salutations de ton grand-père Mustapha Khan, à qui j'ai dit que je venais ici et qui m'a tout de suite dit, c'est mon petit-fils, mon bon petit-fils. Il vient régulièrement me voir et me donner de l'argent. C'est que je souligne qu'il a 99 ans. Et il adore Issa, il m'a dit, tu m'achètes un livre. Et il n'a qu'à me le dédicacer. Je lui ai dit que ce sera fait. J'ai déjà le livre ici. Alors, la question, justement, c'est par rapport à lui. Il est diabétique. Mais aujourd'hui, il a 99 ans. Il mange tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il boit son jus, il mange le riz, il mange tout. Mange des gâteaux et tout. Et la question, c'est est-ce qu'à un certain âge, le diabète régresse? C'est ce que je voudrais savoir. Parce qu'il prend pourtant de l'insuline et tout, mais il mange tout ce qu'il veut. Il se prive de rien. Est-ce que ça régresse à un certain âge? Parce qu'il y a un temps, quand il était peut-être un peu plus jeune, 10 ans, il avait des crises, on s'occupait de lui, etc., etc. Mais depuis à peu près une dizaine d'années, ça s'est tassé. Et son diabète, son sucre, il le prend quotidiennement, ne dépasse jamais 1,2, 1,3, et puis voilà. Ça, c'est la question. L'hommage, c'est d'abord à notre père, Dr Ibrahim Owon. Et on remercie Issa pour son écrit parce que, en même temps, c'est un hommage pour lui. Et je me souviens, on était étudiante à l'université et on courait assister aux thèses qu'il présidait, tout simplement pour entendre le subjonctif. Le subjonctif de Dr Owon, c'était succulent. Bien qu'on soit des littéraires, on n'était pas en médecine, mais on courait pour aller écouter les thèses qu'il faisait, qu'il présidait. L'autre hommage, je commence d'abord par les femmes. Professeur Fatmat Ali est là. Par hasard, je zappais sur TFM et je suis tombée sur le livre qu'elle a écrit en hommage aux femmes médecins. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire et je tenais à lui rendre hommage pour ça et à toutes les femmes qui ont précédé les jeunes de maintenant dans la médecine. Et rendre hommage maintenant à vous autres qui êtes ici, le professeur Tcherno Seydou Nourou Diop, que je ne connais pas personnellement, mais qui a suivi ma sœur Mariam Selikan à un moment, qui est diabétique, qui ouvre les gros yeux chaque fois qu'il y a une crise ou que quelque chose lui arrive. Mais on essaie avec elle de gérer sa maladie, surtout en parlant, en dédramatisant, etc. D'ailleurs, quand elle a eu le Covid, l'ambassadeur Baba Won, Tijanon, qui est là, a joué un grand rôle, puisqu'il l'avait précédé
dans la maladie en la rassurant jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Donc la médecine, c'est aussi beaucoup ça. Parler aux malades, les rassurer, c'est vraiment 50% du traitement. Rendre hommage au professeur Abdul Khan, qui est là, qui a sauvé des vies. Vous êtes tous des sauveurs de vie. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous êtes des assistants de Dieu. Et ici, dans ce pays, je pense qu'on ne rend pas assez hommage aux médecins. Et mashallah, c'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà. Et Nyakam Fitnek Motar Binouma, qui est devant d'imminentes personnalités, on est intervenant à Boham et Mounta Dunitoum du français, soufaye le parole, et n'a pas devant Nyak Pahere. Et je suis content de vous voir en tant que Saint Bourg, de l'Indignan à Lialla, Yalla Fung et Djoublou, Yalla Kival Nekoufa. Yende, Yalla Dade Fien Lohamé Potter Kaboulenbo. Ngen yalla du ngen yonant mais say buñu febaré ñu outal ci len pour am jam kon yalla may na len lo xamné peut-être xamu len ko et man mi def ak yeen yalla ak isa mais wax deug fa la amona jëmi jamana yo xamné sonon na depuis 1999 je suis diabétique je suis ses conseils mom moma outal docteur le professeur lay mu may topatu bi yalla atté ma mëna taxaw bi wax sumay soxla di contane nak bu baakha bax isa yow yalla na la yalla fay et gem na ne de ñun sérère yi duñ la ñaanal mu am li nga def ci ma famille Ablaye Fall la parler tout de suite avec lu am la lu deug la et may di len di ñaanal ne isa servi na dans le pays sérère il a servi à Diofior tout Diofior watna ci rew suñu yegone li amna tay ils sont tous ici kon isa tan bu baakha 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 yalla la yalla fay mais nak na ngeen gorgol febar bi nga xamne aduna moy jabat en tant que borom xam xam gorgol eradiku dans le Sénégal ital nañu alhamdoulillah rabbil alamin que vous êtes là gorgol ndax mu gëna ba je vous remercie merci. À Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait notre père, lui rendre grâce pour tous les bienfaits apparents et cachés dont il nous fait le don avec générosité, sans limite et sans compter. Je suis certain que des écrans du ciel, quand il regarde cette assistance, il doit lui-même rendre grâce à Dieu pour le parcours qu'il a eu sur terre, un parcours fait de quête de la science, quête de la science qu'il a menée jusqu'en Chine, pour être conforme au verset ou au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aller chercher la science fût jusqu'en Chine. Il a été apprendre à un âge très avancé l'acupuncture chinoise pour vivre de ses revenus. Je toucherai le cœur des éminentes personnalités ici en disant que les médecins ne sont pas payés à leur juste prix. Les professeurs de médecine ne sont pas payés à leur juste salaire. Ils ne peuvent pas le dire. Mais moi, je peux le dire. Je sais que c'est par une succession de sacrifices qu'il a été porté à aller faire l'acupuncture chinoise pour avoir une spécialité qui lui permette d'avoir des consultations, qui lui permette de subvenir aux besoins de sa famille, puisque son salaire n'était pas extensible. Je sais que, pour avoir vu à son départ dans l'au-delà
les fiches de paye qu'il avait, je me suis demandé comment il nous a éduqués à neuf. Je me suis demandé comment il a pu, chaque mois, envoyer à ses sœurs au Fouta et régler tous les problèmes à chaque fois. Je ne voudrais pas attrister la belle cérémonie de Issa, qui est déjà parfaite, mais j'aurais pu dire des mots sur cet homme exceptionnel que nous avons eu la chance d'avoir comme géniteur et auquel nous essayons difficilement, difficilement de ressembler, que dis-je, dont nous essayons de nous inspirer. Ceci pour partager avec vous, chers frères et sœurs, le fait que nous attendons d'autres ouvrages de Issa, parce qu'il en a, dans le ventre. Il en a, et je ne sais pas que seulement sur la médecine, puisqu'on nous a dit que tu étais aussi poète, et qu'on croit savoir que les poèmes d'amour, il y en a encore dans les tiroirs. Nous attendons les prochaines livraisons. Rendre hommage mérité à notre père, Abdoulaye Elimane Kane. Philosophe, ministre, militant politique, dont la constance, ce qui est dans notre pays une denrée rare, force le respect. Je dis souvent, le respect, ça se force. Lui rendre hommage pour sa présence et lui dire que nous, depuis qu'on était au lycée Blaise Diagne, il était toujours le mieux habillé dans le lycée. Et il a eu les premières Simca blanches, pour dire que je n'oublie pas. Et qu'on regardait, on le regardait le matin arriver dans la cour de l'école d'une élégance. Et cette élégance est aujourd'hui dans tout ce qu'il nous restitue comme savoir, avec élégance. Le professeur Seydou Nour Diop, qui m'a tiré les oreilles publiquement, puisque c'est vrai que j'ai fait la politique de la chaise vide, et à mon tour de dire deux mots sur le fait qu'un diabétique comme moi, il craint d'aller chez le médecin. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on doit aller en consultation, on se dit la flèche est montée ou la flèche est descendue. L'hémoglobine glycée, c'est montée ou c'est descendue. Donc, en fait, c'est ce stress-là qui fait qu'on n'ose pas. En fait, moi, en tout cas, mon expérience, je n'aime pas aller chez le médecin parce qu'il va vous faire des remontrances, parce qu'il va vous révéler quelque chose qui est caché en vous, mais qui ne vous fait pas mal. Le diabète, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de douleur. Vous n'avez pas, n'ayant pas de douleur, vous vous dites ça va bien. Or, pendant ce temps, comme l'a dit mon frère, le sournois est en train d'attaquer un coup sur le cœur, un coup sur les reins, un coup sur les yeux. Un jour, vous avez un malaise. Et c'est le diabète qui est à la base. Et c'est après qu'on vous dit voilà les dégâts. Donc, un clin d'œil en passant, parce que le professeur Issa Diallo a une fille qui fait des régimes, qui ont beaucoup marché pour mes garçons, des régimes très diététiques. Et je pense qu'il faut que l'on mange mieux, que l'on mange moins en pays céréales, ça va être difficile. Tout à l'heure, on a eu une confession de refus d'abandonner le tiéré. Et je pense que, mais nous devons manger mieux. Et surtout, marcher beaucoup. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé comme solution, marcher beaucoup. Marcher beaucoup, ça aide. Ce n'est pas la solution, mais ça aide à équilibrer le sucre. Sur ces paroles... Il y a la question de... Oui, il y a une question très technique. Sur mon grand-père qui a 99 ans, mais laissez-le manger tranquille. mais je vais quand même donner la parole au professeur. Ensuite... Nous avons un cocktail diététique, et je préviens mon ami Pabiaï qui me surveille de me laisser manger tranquille, parce que c'est très diététique. Alors, professeur, vous avez la parole. Oh, merci beaucoup, la réponse sera très courte. Ce que disent les diabétologues en général, au-delà de 75 ans, ne les fatiguez pas. Ils vivent bien leur maladie. À 99 ans, réellement, laissez-le manger ce qu'il a envie de manger. Parce que le diabète, c'est une question de prévention. Or, qu'est-ce qu'on prévient des complications qui sont attendues 10 ou 15 ans après?
Laissons-le vivre ses 135 ans sans le fatiguer et tout ira pour le mieux. Merci. Alors maintenant, il y a le cocktail, mais il y a aussi les dédicaces. Issa va se mettre dans un bureau dehors et chacun pourra passer tranquillement, se faire signer le livre. Merci beaucoup et qu'Allah vous rétribue. Merci.